d'hier. Ça a coupé une seconde là. En regardant la vidéo d'hier, je me suis rendu compte. Oui, j'ai appuyé sur la fin du stream. En regardant la vidéo d'hier, je me suis rendu compte que je ne faisais pas assez attention. Hein. Je levais pas encore pas assez la tête. Pour que je sois plus. Bon, inventory là. C'est fou hein, de perdre du temps comme ça dans. Ah, peut-être ici. Bah non, c'est le. Bon, je vérifie, mais il n'y a aucun bouton cliquable. Hein. Je vérifie quand même. On sait ô combien le jeu est coquin. Salut Tama! Nicta, beau, la forme les gars, mais très bien. Alors sans me répéter, oui, ça va très très bien. Je suis papa, tout va très bien. Ah, c'est verrouillé. Allez, on va dire que c'est celle-ci. Et voilà. Voilà, quand Tama arrive, tout se débloque. Vous avez vu ça? Tama, il arrive et puis. Allez, voilà. Tiens, j'ai une question, Nictaras. Quand j'appuie sur le bouton, ça t'as été obligé de te reconnecter au stream? Ou ça s'est reconnecté automatiquement? On va prendre la lampe torche. Voilà. Parfait. Alors, je vous résume, ça se passe mal. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit une petite séquence avec notre ami Shere Khan, ça se passe mal. Il est trop violent, ils ont dit. Il est trop violent, il est trop vilain, il prend pas ses médicaments et ils vont être obligés de le transférer. Je sais pas où. Mais alors du coup, ça nous a pas beaucoup aidé hein, d'ouvrir cette porte. Bah à la limite, j'aurais peut-être dû y rester. Je suis con. Parce que là, je suis ressorti aussitôt. Il y avait un placard, quelque chose. Faut peut-être qu'on aille dans cette chambre, du coup. Hein, maintenant que la table est retournée. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est ça. Alors, j'ai un sens de l'orientation. Je peux être très idiot sur plein de trucs. Mais, voilà. Par exemple, là, je sais qu'elle est là. Père a l'air soupolé. Pas moyen de l'ouvrir. Ah. Ça a chié contre les murs pendant qu'on était absent. Il y a eu défécation sur le mur. Et regardez ça. Encore ces fameux petits pieds. On va suivre ça. Hein. On va suivre ça. C'est la marque de mon jumpscare. Non, mais je fais de l'acting. En vérité, je suis de marbre. Quand je joue, parce que si je suis tout seul, je suis comme ça. Là, je fais de l'acting. C'est pour avoir du follower. J'ai pas peur. En plus, là, je suis tout seul. Hein. J'ai éteint toutes les lumières exprès. Pour bien me mettre dans l'ambiance. En plus, je suis tout seul, ma femme est pas là. Parce qu'elle est restée à l'hôpital, évidemment. D'ailleurs, si vous pouvez la garder. J'ai laissé un petit mot comme ça au docteur. Mais il a pas prêté attention. Pourtant, j'avais mis un petit billet. Je resterai demain. Sans vouloir péter le délire, ça me fait vraiment moins flipper que Dolores cette histoire. Mais oui, mais parce que je suis bien trop drôle. C'est tout le problème des streams. C'est qu'on va jouer à des survival horror et comme mon humour magnifique casse tout. On peut plus avoir peur.
Avec des blagues de qualité. Avec mes blagues de qualité, ça désamorce toute flipade. Bon, alors, j'arrête. Et ce gosse, alors, ça va faire comme le tennis. Bah, pour le moment, c'est bien parti, hein. Il a l'air d'être sympathique. Alors, je sais pas s'il va aller me chercher les balles, hein, quand je vais jouer. Je sais pas si ça va être un bon ramasseur de balles. Pour le moment, il avait l'air de trop rien dire. Il est dans l'observation. Là, aujourd'hui, il m'a regardé. Je pense qu'il a reconnu ma voix. Parce qu'à un moment donné, il m'a regardé du coin de l'œil comme ça, puis il a vomi. Donc je me suis dit, ça y est, il a vu que c'était moi, papa. Mais sinon, on n'a pas échangé grand-chose. Moi, je voulais lui parler un peu métapolitique et ce qui se passait dans le conflit du Moyen-Orient. Bon, je vais pas vous dire que j'étais déçu, mais ça l'a très peu intéressé. Très, très peu intéressé. T'es surpris parce que bon. Très, très peu intéressé parce qu'il est au conflit au Moyen-Orient. C'est fou, hein, d'être comme ça. J'ai trouvé qu'il avait un petit cœur de pierre. C'est là aussi que je me suis dit que c'était bien mon fils. Il n'en a rien à foutre. Ah, encore. Verrouillé. Mais alors lui jette les clés. Alors c'est quoi ici? On se fait plus avoir maintenant. On regarde, hein, on regarde. Là c'est quoi là? Il s'appelle Caillou. Désinvolte. Ça me fait rire que tu dises Caillou parce que c'est le nom d'un de mes amis. Désinvolte. Rien à faire. Et il va falloir qu'un de vous deux change de couleur de pseudo. Il va falloir qu'il y en ait un de vous deux qui se dévoue. Parce qu'à chaque fois, comme ça va être plus rapide pour moi pour voir qui est qui. D'ailleurs, Tama, il faut que tu m'expliques comment ça se fait que toi, t'as une petite couronne en face du tien. Je sais même pas comment on fait. Moi non plus, je crois que je l'ai fait une seule fois. Bon, je sais plus, c'est en bas à droite. Je ne changerai pas ma couleur. Ah, mais c'est pas grave, de toute façon, je suis con puisque Tama a une petite couronne. Alors, et d'ailleurs, pourquoi t'as une petite couronne? C'est pour moi qui te l'ai donnée, hein. T'as eu la fève? C'est parce que t'as eu la fève? Et du coup, là, comment on fait? C'est quoi là-bas? Nous sommes jamais allés ici. Ah, mais si. On tourne en rond, là, les gars. Hein, c'est vrai, Tama, il a une petite couronne parce que c'est parce que t'es le proms. C'est rigolo. Enfin, pour moi, ça ressemble à une petite couronne. C'est une petite couronne, hein, c'est ça. Ça ressemble à une petite couronne. Oui, tu vas venir sous la table, mais quand on aura fini le stream. D'accord? Quand on aura fini le stream, tu viendras sous la table. N'aie pas peur. Tout va bien se passer. Non, c'est rigolo que t'aies une petite couronne. C'est pas moi qui te l'ai donné, alors ça non. Même si t'avais trouvé le coup de la béquille, ça méritait pas une couronne. Il faut au moins 3 aides à la béquille pour avoir la petite couronne. Hein. Ça c'est. Je trouve ça curieux. Hein. Du coup, ça te donne un avantage quelque part sur Nyctaras. Quand je mets ma souris, il y a écrit Prime Gaming. Ah, mais parce que t'es en Prime Gaming. Ah, voilà. Nous, on n'a pas ça, nous. Nous, on est des pauvres. Bah, écoutez, là, je ne sais pas où aller. Alors, je peux réinteragir, là, mais. Moi, je cherche à changer ma couleur parce qu'apparemment, elle dérange. Non, 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 c'est bon, puisque maintenant, j'ai vu que Tama avait une petite couronne bleue, donc. Bon, a priori, il faut se rebarrer. Hein. Mais vous me faites me souvenir qu'il y a une porte à rouvrir. Hein. Je sais plus où elle se trouve, mais il y a une porte à réouvrir. De toute façon, le fait qu'on puisse revenir là, hein, c'est qu'il faut revenir là. En général, il y a de la lumière. Hein. Oh, j'ai peur que qu'on tourne en rond. En plus, je parle, et après, je suis paumé. En revoyant la VOD hier, je me suis rendu compte qu'est-ce que je pouvais parler, qu'est-ce que je suis bavard, je suis bavard. Pauvre gosse. Moi je cherche. Voilà. Tu feras comment quand tu auras un cafoleur en live? Oh bah je sais pas. Je te mettrai modo.
Je te mettrai modérateur. Bon bah voilà, on est revenu au lit. Non mais je sais pas, bah, je serais content. Je mettrai un bot qui virera tout le monde. Et on peut l'ouvrir maintenant. Oh mais on pouvait déjà. Bon vous voyez rien. Il n'y a rien, de toute façon il n'y a rien à voir. Non là je comprends pas. Mais de vous à moi, je trouve que la dernière partie, hein, je suis un peu comme Nick Taras, je trouve qu'elle est quand même un petit peu moins bonne. Alors c'est bien, on est ensemble. Donc du coup, ça me fait... ça contrebalance le fait que ça soit un tout petit peu moins bien. Ça fait moins peur. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, mais on voit rien. Je sais... Ah, Nick Taras est vert. Ah, mais voilà, bon, bah d'accord. Bon, allez. Bon, écoutez. Insert coins. Ça aurait été bien qu'on puisse s'en servir du téléphone, mais bon, non. Là, il y a une lumière, mais bon, non, c'est pareil, il n'y a rien. Ah, ah, j'ai vu. Oh, mais c'est encore la chaise. Oui, on va pas se revoir. Non, bah non, on retourne là-bas. Hein, avec le petit lag. Sors les bêtes. Ah oui, d'accord, donc tu reviens. Parce qu'il faut que Tama sache, Nick Taras a trois chiens, je crois. Hein. Ah, peut-être deux. Hein. Mais moi, j'en ai compté trois. Hein. Après peut-être qu'il va pas assumer le fait d'en avoir trois, il va nous dire qu'il en a deux. Hein. Mais moi, sur son Instagram, j'en ai vu trois. Pas moyen de l'ouvrir. Non, mais là, je... Vous allez voir. C'est très 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 commun cette manie, enfin c'est une tare, hein. Moi on dit une manie pour être poli, mais c'est une tare. Les gens ont trois chiens, et eh ben ils préfèrent dire qu'ils en ont deux. Et ça ne le fait pas que les chats. Les gens peuvent avoir deux chats, puis ils vont dire qu'ils en ont trois, tu vois. Pourquoi pas, mais bon. Curieux. Ah oui, toi t'as un chien et trois gosses. Et ben moi j'ai plus de chien. J'ai eu un berger de Beauce pendant 11 ans. Vous savez les gros chiens là. Un très très gros, le chien français là, comment on appelle ça, le bas rouge. J'ai eu ça moi pendant 11 ans. Très 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 belle mécanique, hein. Très belle marque. Très très belle marque de chien. Mais bon, il est mort. Et puis ben, maintenant, depuis aujourd'hui, ben, j'ai un gosse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je sais pas si je vais y gagner au change. On va voir. On va voir. Bon, et oh là, je veux bien être gentil, mais je tourne en rond là. Ça va devenir imbitable à regarder. Ah. On est déjà venu ici? Non, non, je ne crois pas. Ou tout à l'heure, oui, mais c'était éteint. Allez, interagir. Je vais regarder ça en main. Hein, je vais garder ça en main ici. Ah, la traduction foireuse, alors que ça peut être interprété bien différemment. Ah, bah oui, tu tousses. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Une moitié de manivelle? Dans les toilettes? Qu'est-ce que c'est? Ah, pardon. Vous avez trouvé la poignée d'un boîtier électrique. Eh bien, très bien. Mais il est bien courageux, cet homme. Moi, je verrais ça, j'irai pas mettre ma main. J'irai mettre ma tête. Alors, attendez, parce que je veux regarder ça de plus près quand même. C'est quoi exactement? Ah oui, d'accord. Moi, j'ai jamais vu cet outillage. Sert à quoi ça? Il chatte le monde, il a bu. Il met les mains dans la merde pour la bonne cause. Oui. Il a peut-être bu. Alors attendez, on va essayer d'être efficace, hein, sur cette dernière partie. On a trouvé un truc de boîtier électrique. Ah bah dis donc, c'est encore plus sale que tout à l'heure. Allez, on va aller par là. Hein. Hein? Là, ça me paraît évident. Hein. On y va en marchant, parce que sinon il y a plus de suspense. Salut les boys. Non, là il y a juste un mec qui a mis les mains au mur.
parce que certainement il devait se passer quelque chose. Mais je vois pas le lien avec notre petit boîtier électrique pour le moment. Oh putain, ta mère! Ah la vache! Ah ça. Je me suis fait avoir là encore. Hein. Efficace, toujours efficace jusqu'à la fin. Je m'y attendais pas là. Là je me suis fait avoir. Bon je suis content parce qu'en même temps ça fait avancer le jeu aussi. Ça prouve qu'on est... Je reprends la loupiote. Hein. Hop, en plus on a une petite save. Petite save qui fait toujours plaisir. Alors pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois que là on est très nombreux sur le chat, vous avez vu cette nouvelle petite barre? Alors peut-être que vous connaissiez pas l'ancienne, mais alors là vous êtes gâtés. Hein. De toute façon, c'est un stream où les gens sont gâtés. Ah, on peut pas du tout interagir avec la porte. Ah, mais oui. Et eh ben, je crois qu'on va aller faire une petite balade dans la tuyauterie. Alors, c'est dommage. Il y a eu, ça bug un peu, vous voyez. La lampe torche merdouille. Quand on est... Oula, oula. C'est peu de le dire. Parce que là du coup comme vous pouvez le voir. Ah on est tombé peut-être. Il faut être pile dans l'axe. Dès qu'on éclaire les murs on voit plus rien. Ah putain j'ai même peur de revenir sur mes pas. Je suis en train de revenir sur mes pas là. Non ah, on retombe à chaque fois. Ah oui on, ah voilà en fait j'ai compris. On descend. Il faut que je... Là faut que je me baisse. Non, non c'est bon. Non c'est bon en fait ouais, enfin, c'est pas... Ouais, ouais. Enfin, c'est émergent, là. C'est le stagiaire qui a fait l'étoile d'araignée, là. Il est un peu merde. Il est un peu... Alors, Tama ou Nictaras, vous me faites penser. À 17 minutes 22, c'est la vignette. Hein. C'est la capture d'écran, là. Là, c'est pas mal. Hein. À la limite, comme ça. Hein. Et je mettrai le titre au milieu. Là c'est parfait. Bon ils ont l'air d'attendre qu'on aille voir la téloche. 17-22 merci. C'est la fin du jeu. Il n'y a plus de budget. Non mais t'avais vu hein, le coup de la petite toile d'araignée. Bon. J'espère que c'est pas Jacques Martin. Ou Hanouna. Vous avez vu la bonne idée que j'ai de couper le micro hein, quand je fume. Ouh là 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 là, remarque. Ouh là, c'est Marie-Jo Pérec là, je sens. Vous le sentez aussi le Marie-Jo Pérec là. Et hop là. Là c'est une phase... Regardez ça, vous avez vu ça, le sneak. Comme si j'avais fait ça toute ma vie. Putain mais on va réussir du premier coup. Là je suis en forme. Hein. De toute façon vous avez dû le voir là. Mon gamin m'a remis en forme. On peut pas monter? Il n'y a pas de bouton d'action. Ben, on serait venu là pour rien? Oh là là ça bug un petit peu quand même. C'est dommage. Là, on était bien parti là. Ah, peut-être. Attendez. Non. J'ai cru voir un... Non, bah non. Bah, c'est curieux quand même. Bah, on... je comprends pas. Pour éteindre sa loupiote, hein, ça nous permettrait peut-être de...
C'était juste pour se cacher peut-être. Oh putain, mais non! Ah, c'est un peu dégueu. Hein. Là. Là, excusez-moi, mais c'était un petit peu unfair. Hein, c'est un petit peu... là, vous avez vu, là, j'ai fait du Marie-Jo Pérec. Dès le départ, on a sniqué, on s'est mis à genoux, on s'est faufilé tel un furet. Tel un furet, on a réussi à tout esquiver, et puis après on arrive dans la tuyauterie, on peut pas passer, on ressent, on se fait avoir par le mec à la béquille, par Shere Khan. Un petit peu injuste. Moi je trouve que là, on a eu un petit peu d'injustice. Bon. On va trouver. Mais... m'en souviendrai. Bon, ok. On va tenter une autre approche. Ah, faut que je trouve quelque chose. J'étais en train de lire. Allez, j'étais en train de lire. Ouh. Hey, tout doux. Et tout doux, Shere Khan, hein, point trop d'info. Et c'est ça, hein, on commence et puis après on prend plaisir. Hein. Il commence un petit peu à me frotter la tête avec sa béquille. Et puis vous avez remarqué après, il n'arrive plus à s'arrêter. Hein. Curieux, hein. Curieux cet homme. Donc c'était écrit, trouver quelque chose de tranchant. Enfin, l'œil bloque le passage. Trouver quelque chose de tranchant. Eh ben, on va trouver quelque chose de tranchant. Qu'à cela ne tienne. Ce sera pas la première fois qu'on trouve quelque chose de tranchant dans un jeu vidéo, hein. Bon, et en même temps, regardez, il peut rien nous faire, hein, parce qu'on peut le sneaker facile. Hop, regarde. Hop là, Coco. Par contre, faut qu'on fasse attention où il est, quoi, qui qu'est-ce. Puis pas se faire avoir par un... Ah, il arrive vite quand même, ce con. Allez, hop, 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 voilà. Allez, quelque chose de tranchant, voilà. C'est bon. Mais il ouvre l'œil. Il est là, lui. On va attendre qu'il se pointe. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, 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 là, oh. Oh, j'ai eu peur. Ça a été dommage. Hein. Alors, c'est qui le patron? Ça, c'est joli. Moi, j'aime bien ce son dès que c'est rouge. Hein. Ça, c'est une maladie que j'ai développée. Dès que c'est rouge, ça me plaît. Dis-moi ta... Ouais, j'aime beaucoup. En plus, ça change d'atmosphère. Bon, j'étais toujours à genoux, mais finalement, on peut marcher. Je ne cours pas parce que je sens que ça va être la fin du jeu, là. Hein, c'est le dernier segment, donc on reste un petit peu ensemble. On profite un petit peu des derniers... du ray tracing. On profite du ray tracing sur les boyaux. C'est dans le thème avec ta femme qui a accouché. C'était moins rouge. C'était pas un accouchement. C'était une césarienne. Bon. Ok. Pourquoi il m'a marqué maintenir? Vous voyez, des fois, il y a encore... Ah, bah non, mais on a bien fait de regarder, putain. Ça pourrait probablement rétablir le courant, mais il manque la poignée. Putain, et heureusement que j'ai regardé.
Ah là là là, on aurait perdu un temps fou encore une fois. Et ce soir, je suis d'une clairvoyance à toute épreuve. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être papa là depuis quelques heures, mais tout s'éclaire, tout fait sens. Tout fait sens là ce soir. Ok, donc bon, bah en fait on est revenu sur nos pas. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Enfin, je suis tenté d'aller par là, moi. Toujours d'aller dans le mauvais chemin. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours attiré dans le mauvais par le mauvais chemin. Non, il n'y a rien du tout. Non, non, je vais essayer de pas perdre de temps. Pour l'instant, là, ça va. Tout s'enchaîne quand même relativement vite. Bon, ça, nous sommes déjà allés. Hein. On sait déjà que ça nous mène à la petite chambre là-bas. Ah, mais l'ascenseur, maintenant qu'on a rétabli le courant. Vous voyez? Ça, c'est une erreur que j'aurais fait hier. De pas me souvenir. Maintenant, on peut retourner voir l'ascenseur. Alors même si je réponds pas tout de suite au message, je les lis. Hein. J'ai cette faculté d'avoir un œil là et un œil là de temps en temps, voilà, comme ça. Et ce qui me permet de rien voir. L'ascenseur. Voilà. Ouais, non mais là tout s'enchaîne. Là on est dans un cercle vertueux. J'ai même honte. J'ai même honte pour les développeurs parce que là on roule sur le jeu. Là, toutes mes excuses hein, pour Kickstarter et compagnie. Hein. Là, je roule sur votre jeu. Sinon, la Room 11 aurait été une idée. Mais là, t'as vu, là, j'ai. Ça aurait été, là, vous voyez, ça aurait été un autre jeu, on aurait eu un item ici. Ça aurait été Dark Souls, il y avait un coffre ici. On n'est pas dans Dark Souls. Vous le savez, vous auriez fait pareil que moi en sortant. Hein. Vous auriez été regardé derrière, je le sais. Je vous connais. Toujours à chercher les trésors, les petites pièces secrètes. Hein? Allez, celle-là, elle s'ouvrira pas. Allez, allez. On s'imprègne un peu de l'atmosphère. Bon, là, pareil, hein, c'est pas du Carla Bruni, ça. Hein. De l'époque de la Renaissance hein, d'ailleurs. Je dirais pas que j'aime beaucoup, mais c'est toujours agréable. C'est parce que moi je préfère en peintre, hein, puisque là on en est aux confessions. Moi j'aime Beksinski. J'arrive jamais à le dire, mais j'adore Beksinski. Vous tapez Beksinski sur Google, vous allez voir. So, break it, right? I'm here with good news. Based on your behavior and recovery of the past few months, you'll be ready to leave and go home. Sounds good, right? There are just a few technicalities that need to be taken care of, but this will just take a couple days. With everything that happened, I'm sure you'll be very happy to leave this place. Well, I'll get back to you soon. Bon. Bon, le docteur avait l'air beaucoup plus bienveillant que les autres. Bon, toujours cette histoire de lampe, hein? Ça ne fait que confirmer mes propos. Hein. Crois-tu que... moi, j'étais à l'hôpital aujourd'hui. Il n'y a pas cette lampe-là. Hein. Toujours ce mystère de ces lampes vertes. Hein, que je rappelle pour ceux qui n'avaient pas regardé les VOD. Se retrouve dans tous les sitcoms. Dans toutes les séries télé. Dans tous les films américains. Dès qu'il s'agit d'un avocat, d'un lawyer, d'un juge, de quelque chose qui a à faire avec la justice, avocat surtout, il y a une lampe verte. Il y a cette putain de lampe verte. Il va falloir se rasseoir? Il va falloir se recoucher? Non. Il y a ces lampes vertes qui, voilà, c'est pour ça que ça m'intrigue et que ça me fascine. Plus ça me fascine, c'est que ça, elle n'existe pas dans la réalité. Personne n'a une lampe verte comme ça. J'en ai jamais vu dans ma vie. Pourtant, j'ai vu des notaires, j'ai vu plein de monde. Personne n'a ça. Il y a qu'à la télé qu'on trouve ces lampes-là. Bon, là on est bloqué. À la limite, ça m'intéresse d'être bloqué parce que comme ça, on est sûr de trouver la solution. Faut qu'on se cache sous le lit? Non. Faut qu'on mette la cagoule? Non.
Ah non, en plus c'est un froc. Bah c'est curieux. Il faut que on fasse le syndrome de Stendhal. Faut qu'on rentre dans le tableau. Ça par contre c'est très très... Ça c'est pas du tout inspiré ça par contre. Espèce de pastel. Hein. Moi j'ai un ami qui est peintre. Je vous montrerai un jour ce qu'il peint. Bah c'est autrement mieux fichu que ça. Hein. Faut réanimer la machine. Faut se mettre ça dans le cul. Et pomper trois fois. Non. Faut boire un coup d'eau. Non plus. Il y avait pas de vitrine vide. Check la veste à l'entrée. Oui. Mais tu sais, c'est exactement la même que l'autre fois et malheureusement. En plus, c'est une vieille veste en velours. Hein. Bon, j'ai rien contre les vestes en velours. Moi, je viens de Normandie, mais mes arrière-grands-parents, ils avaient ça. Hein. Ils avaient des vestes en velours, c'était des campagnards. Hein. Alors, c'est stylé. Hein. À la limite, c'est mettre ça aujourd'hui à Paris, c'est punk. Hein. Toute façon, aujourd'hui, même faire son lit, c'est punk. On pousse l'armoire. Putain, mais j'ai eu un éclair de génie là d'un coup. Parce qu'il prend la soeur là. Dans le jeu, dans tout le jeu, on ne peut rien pousser. Et là, ce soir, je me dis, allez, on pousse l'armoire. Sauf qu'il faut la pousser dans l'autre sens. Vous avez vu ça? C'est quasi... On pourrait croire que j'ai fait le jeu là, avant de streamer. Ah ouais, on fire. Ah mais non, il faut interagir, pardon. Il n'y a pas d'espace. Interagir, tu sais, il te fait croire. Il n'y a pas assez de place pour passer. Bah alors oui, d'accord, mais alors quoi? Pourquoi tu pousses pas plus? Petit coquin. Mais il me donne de l'espoir et puis il me retire tout d'un coup. Bon, je suis pas complètement con quand même, pas à ce point. Regardez, on peut plus pousser là. Bon, je refais dans l'autre sens. Comme me demande Tama. Non, regarde, ça se rebloque. Et maintenant, il n'y a plus rien. Ça a ouvert la porte? Ça serait complètement idiot. Quand même. Là, bon, là, je vous assure. Hein, je vais pas vous mettre une webcam sur mes mains, mais c'était pas possible. On retente à genoux. Alors, ce que je trouve vraiment, alors en parlant d'injustice, là on est complètement dans l'injustice, j'ai été trop content de mon coup. Là c'est marqué interagir, il n'y a pas assez de place pour passer. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'attende de maigrir? Faut qu'on reste ici un mois? C'est ça? C'est ça l'idée? Il y a pas assez de... Il faut que je me huile le corps? Il faut que je me huile le corps avec ça? Oui, sur le sol, il y a la mar il y a les marques de l'armoire. Ah, mais oui! Bien vu. Donc c'est... Bah oui, mais alors dans ce cas... Alors, oui, non, mais vous avez complètement raison en plus. Alors pourquoi elle s'arrête? Je vous assure, elle veut pas aller plus loin, là. Pourtant, je pousse fort. Là, je peux pas pousser plus fort. Vous entendez tous les petits bruits, là? Bah oui, vous avez raison. Pourquoi... C'est quoi cette diablerie? Est-ce que j'ai dit du mal de la lampe verte? Le jeu me punit? Ouais, c'est le stagiaire qui... Là, c'est... Là, 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 il... Faut que j'allume le chauffage, peut-être. Mais complètement con. Peut-être allumer le chauffage. Non, mais vous avez complètement raison, regardez. Non, 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 vous avez pas raison. L'armoire était là d'origine. C'est pas parce que il y a un tracé que ça veut dire qu'elle a été poussée à gauche. Ça veut dire qu'elle a été poussée à droite à chaque fois. Elle a toujours été à gauche. Ah, vous aviez pas pensé à ça. Reload. Non, 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 je pense pas qu'il y ait de bug. De toute façon, il n'y a jamais eu de bug hein, dans le jeu. Il y a eu des incohérences, des choses. Le jeu est très très bon. Hein. Parce que là, si les gens qui viennent d'arriver, là, ils pensent que le jeu est peut-être pas bon. Non, non, le jeu, on rigole, mais le jeu est très 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 bon. Sauf qu'il y a des moments, bah... Disons que c'est... C'est comme ça, quoi. C'est comme... Non, là, c'est curieux quand même. Non, non, si je reload, ça va être pareil.
Non, non, il y a un truc. Il faut se remettre dans la tête des développeurs. Depuis le début, c'est très spécifique. Hein. Comme là, le fait de pousser dans tout le jeu, nous n'avons eu à le faire que deux fois. Là, j'y ai repensé. Bon, parce qu'il y avait une armoire, puis que j'avais pas non plus mille choix. Non, il y a un truc à faire. Moi, je veux bien. Non, non, non. Là, ça se bloque. Pas aller plus loin. Il y a peut-être un truc qui bloque alors à la limite. Regardez, il faut que je pousse et après au sol que je ramasse quelque chose qui bloque le passage. Pas cet espace. Vous allez voir, c'est un truc tout con, hein. Regarde dans l'air. Il y a un petit ventilo. Faut regarder France 3. Faut alléger la porte. Non, on peut pas. Oh, c'est quand même. Là, c'est particulier, là. Là, c'est particulier. Je réfléchis. Je comprends pas. Je ne comprends pas. À la limite, que quelque chose puisse bloquer, je pourrais comprendre. Mais là. Moi, je pense, je vais vous dire. Hein. Que l'armoire a toujours été ici et puis qu'on a foutu l'armoire là pour cacher que l'hôpital faisait des économies. Voilà. C'était dans un souci esthétique. C'est quand même curieux. Oh, attends, peut-être que je peux pas le pousser celui-là. Ces traces de doigts partout sur la vitre, même la télé. Ah oui. Là, tu nous dis, tu fais un commentaire. Tu fais un commentaire général, là. Tu m'aides pas, quoi. Tu digresses. Non, mais on va trouver. On va trouver. On va trouver. Là, il y a une poignée. Bah, non, c'est pas une poignée, c'est là où la télé est posée. C'est marrant, hein, j'étais exactement dans une chambre. Bon, pas similaire. Hein, elle était quand même beaucoup mieux, celle de ma femme. Et de toute façon, on peut pas ressortir, donc on va trouver quoi. Il y a quelque chose dans le froc. Alors, sachant, je vous le rappelle, que c'est au pixel, hein. Là, vous le voyez pas, mais il y a un petit pointeur de un pixel sur un pixel et demi. Et je suis sûr qu'il y a un truc qui bloque ou alors c'est moi qui suis complètement con. Ah là là, c'est quand même délirant. Il n'y a pas d'interaction qu'avec cette étagère, rien d'autre dans la chambre. Ben non. Alors je pense que je peux me prendre. Tiens, mais là, je peux. Tu vois, d'habitude, je peux prendre les chaises. Là, je ne peux même pas. Tout ce qui est robinetterie, hein. Tout ce qui est plomberie, niette. Au niveau meublage et lampe verte, rien du tout. Au niveau hydraulique, eau chaude, eau froide, rien. Au niveau artistique, ah bah encore un tableau de Carla. De Carla. Non, c'est pas Carla ça. On ne peut rien faire. Le manteau non plus. La petite loupiote. Que dalle. Non, non, il y a. Bah oui, c'est dommage, je brillais. Là, on était parti sur une lancée. Putain, ça marche maintenant. Mais on l'emmène où là? À Saint-Pétersbourg? Non mais là maintenant ça a fonctionné. C'est la France? C'est l'Hexagone? Vous avez vu? C'est la chanson de Renaud? Non franchement là, le coup de la glissade de la. C'est dommage. Mais ça a dû être patché, hein, je vous dis, c'est l'early access. Ça a dû être patché ça, parce que là c'était pas possible, j'ai réessayé 5 fois, maintenant ça. Fallait se mettre dans le coin. Fallait pousser dans le coin, mais c'est un peu. Enfin, même au niveau de la physique, ça n'a pas de sens. C'est pas grave. C'est pas grave, on a fini par trouver. Mais bon. Dommage. On était bien. On a perdu 5 followers hein, à cause de l'étagère. Mais ils vont revenir, je les connais. Les gens qui perdent vite patience, mais c'est des curieux quand même.
Ils vont revenir. Ok. I knew it! Oh, they're in big trouble now! With everything I know, I'll definitely take them down! You hear me, fuckers? I'm on to you! Hey, hey, what are you doing? Who sent you? Wait, wait, wait! No! Fuck! Bon. Sharkan a des ennuis. Je ne peux pas repasser par là. Bon, ça va limiter encore une fois nos possibilités. Alors parfois, le jeu nous fait attendre. Et ça s'est rallumé. Il y a un œil que nous voyons flou de toute façon. Mais Sharkan, quelque part, il est victime. Sharkan, là, on le voit bien, il nous court après, bon, il nous tape. Bon, ça, ça peut s'expliquer, hein. C'est pas vraiment de la violence. On peut repartir? Non, on peut pas repartir. Il est victime de ses hallucinations, il s'est passé quelque chose dans la maison. J'ai pas bien compris, hein, ce qui l'a rendu véritablement fou. On va en savoir plus, hein, à la fin, j'espère. Là par contre, alors là c'est pire que l'étagère, c'est que là vraiment... Alors peut-être qu'on peut interagir avec l'œil en mettant le pixel dessus, ça serait complètement fou dingue. Non. Non. Sharkan pense que nous sommes le démon depuis le début. Oui, ça c'est sûr, il nous a tiré dessus, hein. On se souvient. Tiens, j'ai failli encore appuyer sur le mauvais bouton. Dès la première fois qu'on a rencontré Sharkan, il nous a tiré dessus. Il nous a pris pour un fantôme. Le jouet du paquet de céréales, toujours. Voilà. Alors il y a peut-être un lien avec le fait qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Ou qu'il l'avait en double. J'en connais qui ont tué pour ça. J'en connais aussi. Je crois qu'on en avait longuement discuté durant une nuit pendant quelques heures. On a eu la même expérience. Bon, pas moyen de l'ouvrir. Alors attendez, là par contre... Ah maintenant, mais c'est quand même curieux là. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je pousse la vitre? Maintenant, faut pousser la vitre? Non, j'ai pas d'interaction. Le jeu de... Là, à mon avis, ils étaient tous partis en vacances. Ils ont laissé le stagiaire finir le jeu. Hein? Et le mec devait être sourd, borgne et autiste. Il a bredouillé 2-3 lignes de code sur le clavier là. Sur son petit keyboard jaune et vert. Il t'a terminé le jeu là. Oh putain. Parce que là franchement. Là je suis coincé là. Ah putain, attendez. On va regarder doucement. Il y a forcément un petit mur, il y a un passage secret, il y a quelque chose. Là on est bien d'accord, on peut pas. Hein. Pas moyen de l'ouvrir. C'est curieux quand même là, cette histoire. C'est quand même curieux. Hein, là. On en a vu des... On a été confronté à de multiples défis durant cette aventure. Mais alors là, d'être coincé dans une pièce où il n'y a aucun objet cliquable... Qu'attends, qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire? Rien du tout. Tu n'as absolument rien... Voilà. Voilà, on a... Les grands esprits se rejoignent. Non, non, j'ai pensé comme toi là à l'instant, je viens de vérifier, je n'ai rien, je n'ai rien, absolument rien dans mon inventaire. Il n'y a même pas de petite ampoule de caisse de quoi. Au mur là, quoi. Non plus. Hein? Vous, le jeu est drôlement sombre, hein. Pour vous, hein. Vous voyez même pas le mur. Je vais vous mettre un tout petit peu plus de luminosité, regardez. Hop. Vidéo. Tic tic tic, j'ai l'habitude, hein. Vous inquiétez pas. Par contre, il faut que j'assombrisse. Ah voilà. Voilà, vous allez voir là, vous allez tout. Pour vous, ça va être une autre, ça va être autre chose. Vous voyez mieux un peu, hein. Ah ouais. Vous voyez un peu mieux. Vous voyez comme moi je voyais. Moi maintenant, c'est beaucoup plus clair. Alors, par contre, ça va peut-être m'aider. Hein. La vitre a l'air abîmée dans son coin inférieur gauche.
Ouais, je pense que tu as raison, hein. Il va y avoir un déboulonnage, il va, ou il y aura, mais à la limite, moi je me jetterais contre hein, si j'étais lui. Alors j'essaye de faire le contour. Hein. Vous voyez pas mon pointeur, le pixel. Ah, peut-être que vous le voyez maintenant que j'ai mis plus clair. Mais a priori, ce n'est pas cela. Hein. Non. Mais là, c'est quand même foufou. Reste devant la vitre. Et quoi? Et je regarde l'œil? Ah, tu penses qu'ils en seraient là? À ce niveau-là, de malfaisance? Un peu comme l'accès en lentille. Sauf que dans Silent Hill, le script se déclenchait malgré le fait que l'on bouge. Dans Silent Hill 3. Ça m'avait fait flipper à l'époque d'ailleurs ce passage, vous savez, où on voit toute la pièce se remplir de veines rouges. Ah ben, suis passé à travers là? Qu'est-ce qui s'est passé? La pièce. Me demandez pas comment j'ai fait. Ça sera notre petit secret. Ça sera notre petit secret. Ça restera entre nous. Mon Dieu. Alors là, je. Mais t'avais peut-être raison. Bon, j'ai trouvé un objet de progression. Il sera dorénavant dans mon slip. Ok. Bon, bah là, on retourne à la maison. Et hop là. Et on a trouvé une cassette. Fin du chapitre de Rakan. Réduit au silence. Mais on a terminé le jeu. Et on a trouvé la cassette Frisson. Bon, je vais pas vous la traduire. Prison. Non, on n'a pas besoin. Bon, on connaît la maison maintenant, hein. Je dis ça, puis c'est là que je vais me planter. Ah, c'est quand même un petit piano de fin de jeu, ça, non? Hein? Je m'y connais ou je m'y connais pas en musique, là? C'est du petit piazzingue de fin de jeu, ça. Hein. En même temps, ça va nous remplir de nostalgie, tous les bons moments qu'on aura passés ensemble. À essayer de terminer le jeu. On va aller tout de suite dans le salon, voir la télé hoche. Et on va mettre la cassette. Je prends mon temps, là. Faut savourer, là. C'est dans ces moments-là qu'il faut savourer. C'est le travail bien fait. Allez. Ah, il nous reste encore tous ces tableaux, c'est vrai. Et toujours cette clé Oméga. Pourquoi il veut pas mettre la cassette? J'étais peut-être pas assez près. Ah, alors quoi? Ah non, il fallait que je retire la cassette. Ok, grid, c'est bon. On va la ranger d'ailleurs. Qu'on se plante pas. Vous allez voir que je vais mettre la mauvaise. Non, c'est bon. Ça m'est arrivé à chaque fois, ça, de me planter. Hein. Allez, et on met prison. Les appareils électroménagers qui s'engueulaient avec l'accent du Hood. Oui, c'était. Ben, ça faisait très Evil Dead. Hein. On était complètement. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a des enfants sur des petits chevaux, hein, par d'attraction toujours. Le mur qui se reconstruit. Bon, toujours ce travail, hein. Entre le paradoxe, hein, le gouffre entre les enfants qui s'amusent, évidemment, et en parallèle quelque chose de très malsain. Hein. C'est toujours efficace. Surtout quand il y a des enfants. Je crois que ça tourne en boucle. Donc ce mur. Salut Aurel! Bienvenue à toi. Donc là, je pense qu'on peut arrêter. Hein? Il y a un mur et un chemin qui va nous y emmener. Hein, voilà. On peut arrêter la cassette. J'irai. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire? On a des tableaux, on en a 4. Et on a toujours cette clé avec cette Oméga. Et véritablement, dans toute la maison, je ne sais pas quoi en faire. Je serais tenté de retourner voir la trappe.
Avant cela, j'ai envie de retourner à l'étage. Parce que à chaque fois, l'objet de progr... enfin, mon dernier objet de progression que j'ai eu, c'est à l'étage. Et là, on n'a pas de chapitre de lancé, on n'a rien. Normalement, on devrait avoir. Je ne sais pas comment on va avoir la fin du jeu, mais. J'ai envie d'aller dans la salle de progression. Voilà, j'ai envie de voir. La dernière fois, il y avait un objet par terre. Non, là, il n'y a plus rien. Et là, normalement, on a les trois. Voilà. On a la mâchoire de Lucie. On a le petit miroir de Dolores. Et bien sûr, on a l'œil de Sherkan. De Khan. Et par contre, au niveau du masque là qu'on doit recomposer, bah, on a dû se démerder comme des queues parce que nous n'en avons que deux. Mais bon, hein, c'est pas, c'est un Eni pour Sainte, hein. C'est un Loron Eni pour Sainte. Hein. Vous êtes au courant, hein, de cette histoire, hein, de Loron. Hein. Je tente le Loron de visage. Il y a toujours cet Asiatique qui est devant nous. Il a fini le jeu en un mois. Sa vidéo a été validée sur Loron.com. Là, nous, on en est là à une semaine. J'y travaille, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile de, ça va être difficile de battre son corps. Pourtant, je prends mon temps. Hein. Mais il y a des moments, c'est plus fort que moi, bah, j'appuie sur le stick, puis on avance, quoi. Il y a bien des moments où je reste une heure comme ça, à rien faire, mais je pense qu'on battra pas son record. Pas tout de suite, du moins. Il a terminé le jeu en, ouais, en un mois. Va rallumer la lampe. Oui, donc je vais retourner voir la trappe. Parce que à chaque fois que j'y suis allé, la trappe me disait. Elle me disait pas grand-chose. Hein. Je vais pas vous vendre du rêve. Elle me disait juste, c'est pas pour le moment. Alors peut-être que pas pour le moment, maintenant c'est le moment. Mais en même temps, il n'y a pas de serrure. Hein. Impossible de résister cette action pour l'instant. Voilà, bah, elle me marquait ça. Alors cette trappe m'intrigue et me fascine parce qu'il n'y a aucune serrure, il n'y a rien. Ça prend du temps, le Loron, c'est le souci. Je suis limite à espérer des apparitions de la vieille. Oui, bah oui. C'est vrai que le chapitre de Dolores était pour moi le plus réussi. J'ai beaucoup aimé quand même celui de Lucie, hein, avec sa petite mâchoire arrachée. C'était quand même drôlement sympathique. Qu'est-ce que je... Bon, maintenant qu'on a des tableaux, parce que voilà, c'est ça, c'est comme dans tout jeu, il faut toujours se servir des dernières choses qu'on a eues. Moi, j'ai souvenir qu'il y avait quand même un endroit, au tout début, dans le chapitre de Dolores, il y avait un endroit qui me disait... que quelque chose était accroché ici auparavant. Mais j'ai peur que c'était ce mur que j'ai cassé. Pas ici. J'ai cassé un mur, vous savez, le mur où on peut se mettre des balles pour avoir les indices. J'ai peur que ce soit, que c'était ce mur-là. Putain, mais comment on y retourne? Voilà. Ici, oui, je crois que... Non. Je sais plus, en fait. Je sais qu'il y a eu un mur que... Je me souviens d'un mur où c'était écrit, la description formelle, c'était écrit, quelque chose devait être accroché ici. Mais peut-être que c'était à l'étage. C'est le seul indice que j'ai, hein, pour mettre les tableaux. Je suis limité à 1. J'ai l'impression que T4 représente le mur avec des tréteaux. Le mur avec des tréteaux. C'est-à-dire, de quel mur parles-tu, Nictaras? Ce couloir en construction, celui-ci, genre, il faudrait le reconstruire, non? Non, 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 on peut pas. Non, non, on ne peut pas. Si c'est pour m'écrire des bêtises... Hein, bon. Non, va à gauche. Tu veux dire là où il y a la bâche? J'ai mis pour que le chat, ça soit le plus réactif possible. C'est-à-dire moi. Normalement, quand vous écrivez quelque chose, je crois qu'il a, ça arrive 10 secondes après. Hein. Peut-être un peu moins. Ne descends pas, continue en face. Voilà. Alors, en fait, il ne faudrait pas que je bouge quand je te parle.
Attends, je retourne là où il y avait le mur. Tu m'as continue. Attends, je retourne au mur. Tu m'as dit de continuer en face. Jusqu'à droite là. C'est ça que tu veux me dire? Oh putain. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On avait dit plus jamais ça là. Retourne en haut des escaliers. Ouais, mais là on va jamais y arriver là. Alors attends. Oui, voilà. Là, il y a les tableaux de Carla Bruni. On est bien d'accord? Ah, je retourne en haut des escaliers, hein. Je te suis. Mais bon, en même temps, j'ai pas besoin de toi, non, en fait. Oups. Oups. J'ai pas besoin de tes. Je crois qu'il y a un mur, hein, véritablement. Hein. Je me souviens d'un mur, c'était marqué quelque chose était mis ici et il y avait véritablement, vous savez, comme quand on laisse un tableau sur un mur. Après, il y a une différence de couleur. L'escalier qui donne dans le salon, tu te mets face. Oh la vache, je vais avoir du mal. Hein. Alors, l'escalier qui donne dans le salon, tu te mets face au salon et tu regardes dans le couloir qui va à ta gauche. Oh putain, déjà je. Quoi? L'escalier qui donne dans le salon, ouais, on vient de le prendre là. Tu te mets face au salon. Ce salon-là, hein. Tu te mets face au salon et tu regardes dans le couloir qui va à ta gauche. Il n'y a pas de couloir qui va à ma gauche, c'est la porte d'entrée. Mais je me plante peut-être. Là, tu remontes l'escalier. Oui, mais je sais pas si tu es en train de parler au présent ou tu es en train de me dire de parler au futur. Là, tu remontes l'escalier. Est-ce que. It's like you are going to climb the stair or you climb the stair? Non, mais c'est pas, on peut pas y arriver comme ça. On remonte l'escalier, mais il y en a. Vous savez quoi? Je vais jouer. D'accord? Je sais qu'il y a un mur. Je sais qu'il y a un mur. C'est pas ici. Il y a un mur. Il y a un mur. Je me souviens. Je vais pas vous mentir. Ce soir, on va jouer carte sur table. Je vais pas vous mentir. J'ai lu qu'il y avait un mur. Ou c'était pas dans une chambre. Oh là, regardez. Ah là, non, mais on va aller au grenier. Parce que normalement, ça, il est jamais ouvert. Allez, hop. On va au grenier. Jamais le grenier est ouvert. Toujours, on est obligé de le faire. En plus, il y a une grosse tâche. Puis le grenier, vous le connaissez très mal. On l'a pas vu beaucoup ce grenier. Il faut peut-être remettre les tableaux dans leur cadre, non? Bon, là, interagir, bon, c'est la petite bougie, hein. Ce qu'on appelle communément la candle pour les anglo-saxons. S'il y a des anglo-saxons qui nous regardent, ils sont les bienvenus. J'ai une partie de ma famille qui est anglo-saxonne. Ils sont les bienvenus, on parle complètement anglais, hein, ici. Bon, évidemment, ça nous a donné un petit espoir de réouvrir la boîte, mais bon, il n'en est rien. Non, il n'y a rien ici, hein. Baisse un poil. Comment veux-tu que je baisse un poil? Ah! Baisse un poil la luminosité, pour le coup, on y voit bien trop clair, d'accord. T'as vu comment je te fais confiance? Ça me perdra, ça. Ça me perdra, ça se trouve, les autres adoraient. Je vais le remettre comme c'était. Par contre, c'est très con, il faut. Voilà. C'est très con, il faut mettre au maximum et revenir. Il n'y a pas de bouton moins. Alors peut-être que je fais ça mal, parce que comme je joue à la manette. On va redescendre, mais pas. On va redescendre au premier. Je sais qu'il y a un mur. Je me souviens, je suis pas idiot. T'as raison, il y a trop de luminosité. Hein. Il y a un mur, il y a un mur. Oh là là. Ça a été seul, tout salopé ici, là, quand même. Hein. Là, on va retourner dans la. Ah là là. Non, ce mur, c'était le mur qu'on a cassé. C'est le mur qu'on a cassé. Il y avait un truc à faire avec le rocking chair dans le grenier. Nous y sommes déjà allés sur ce rocking chair, tu te souviens, hein, quand il nous avait dit.
Bon, je peux y aller. De toute façon, je n'ai aucun indice, hein, donc je suis vos recommandations. J'ai aucun indice là. Je sais qu'on a 4 tableaux, qu'on a une clé, Omega. Là, on se dépêche. C'est vrai que c'était bien trop clair. On n'a plus de médoc, hein, on n'a plus rien. Donc là... Non, bah, on... Ah si, interagir. C'est une vieille chaise à bascule. Tu l'as fait exprès. Alors, Aurel. J'ai peut-être une idée pour la clé Omega. Alors, j'accepte ton idée, Aurel, si tu me promets que c'est ça vient de toi, c'est que t'as pas fait le jeu. Hein. C'est pas un spoil. Hein. Mais sinon, c'est ton idée est la bienvenue. Merci Aurel pour ton follow. Alors je t'écoute. À quoi penses-tu? Yeah. Ah désolé, c'est ah tu connais la réponse. Tu connais déjà le jeu? Parce qu'on essaye de trouver par nous-mêmes. Alors si t'as déjà fait le jeu, ça va nous dire la. On veut bien les aides, mais les aides de si on connaît pas le jeu. Il y a une vieille main dans un cadre juste avant. Il y a une vieille main dans un cadre juste avant dans le grenier. Ah non, t'as jamais fait le jeu. Bah alors je t'écoute. Je t'écoute très volontiers, Aurel, si t'as une idée. Ah, c'est une supposition. Alors, suppute. Après, Nick Taras nous dit qu'il fallait peut-être aller au garage. Alors, suppute, Aurel. Je suis tout oui. Parce que là, véritablement, en plus, déjà, avant de lancer le chapitre, je vais tout vous dire, avant de lancer le chapitre pour Sherkan, là, j'ai déjà essayé de trouver pour la clé, il n'y a absolument rien. Je pense que ça sera pour le final, hein, ça... C'est dans le garage, quand tu montes les escaliers à ta gauche, tu as une petite cachette et tu as un signe Omega, il me semble. Oh putain. Alors merci à toi. Parce que là, véritablement, je veux dire, j'ai cherché de fond en comble cette maison. J'ai failli dire un gros mot. Alors hop, je sais qu'on peut y descendre par ici. On arrête tout de suite la radio. Putain, je suis dur, je l'ai rallumé. Je sais que là, il y a un escalier. Alors toi, tu dis que on descend. Dans le garage, quand tu montes les escaliers à ta gauche, tu as une petite cachette. Alors, il y a deux escaliers. Hein. Il y a celui-ci. Et toi, tu dis... Putain, là, ça rame un peu. Il aime pas. Ça serait par là. Ah, dans le garage. Qu'est-ce que je suis con, je suis retourné en bas, dans le garage, excuse-moi. Autant pour moi. J'ai compris le cellier. Ah oui, le garage, oui. Excuse-moi. Oui, le garage. Bah, ça faisait longtemps, bah, j'aurais pu y aller aussi par... autant pour moi. Toutes mes confuses. Donc là, sur ma gauche, c'est ça, hein. Toi, tu dis qu'il y aura un petit truc avec un symbole Omega par ici? Si je relis bien ton truc, dans le garage, tu montes les escaliers à ta gauche. Ah non, les escaliers, tu montes les escaliers, donc ce serait les escaliers ici. Mais sur la droite, quoi. Oui. J'ai bien compris. Alors par contre, j'espère qu'on va pas mourir. En vrai, rien du tout. Alors là, par contre, pour le petit symbole Omega, on n'a pas de briquet. Ouais. J'ai de la bougie, mais j'ai plus de briquet. Bah personne me menace ici. Normalement. En fait, si. J'ai remarqué que quand il n'y a pas de... Quand il n'y a pas de comment on pourrait appeler ça, de monstre, hein, quand il n'y a pas de ah, j'arrive pas à trouver le mot, enfin vous avez compris, quand on n'a pas lancé de chapitre et puis il n'y a pas un antagoniste qui nous veut du mal, une espèce de tentacule nous remet à notre place, en fait. Voilà, t'as les tentacles. Alors toi tu dis que ça serait ici.
Mais alors du coup, je ne peux pas allumer, quoi, je ne vois rien. Et c'est vrai qu'ici, je... Ça fait un bout de temps que j'y suis allé. Mais alors j'ai... Quoi? Qu'est-ce qui était marqué là? De quoi? De qui? Déplacer? Alors, je vois rien. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un autre briquet dans le jeu? On peut pas prendre une autre une bougie qui est déjà allumée quelque part, non? Et, en plus, j'ai très peur que on ait utilisé tout le nombre d'objets que le jeu nous offrait. Je crois que tous les objets qui sont disséminés dans Visage sont limités. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 briquets, il y a 10-15 bougies. Et, apparemment, parfois, j'ai eu l'impression qu'on me redonnait une bougie, mais au niveau briquet, j'en ai plus, quoi. Comme les ampoules, quoi. Vous voyez? Comprenez ce que... Ça m'agace toujours parce qu'on croit qu'on peut l'ouvrir, puis il n'en est absolument rien. Donc moi, je veux bien retourner et essayer de voir. Essayer de bouiner, quoi. En fait, là, on va bouiner, quoi. Dans le noir. T'es un petit peu... T'étais sûr de toi, Aurel, qu'il y aurait un truc Oméga, là? Dans cette pièce? Moi, j'ai trouvé une bouteille, déjà. Bon, elle est vide, mais... Parce que là, moi, je veux bien faire un stream, là, d'une heure dans le noir. Mais je suis pas sûr que... Les gens vont partir, hein, c'est humain. Les gens vont se lasser. Tu ne t'es pas servi des ampoules cassées en plus. Je ne me suis jamais servi d'une ampoule. J'ai pas compris. Je... Parce qu'à chaque fois que j'ai cliqué sur une ampoule, déjà, soit elle était allumée, donc j'avais pas besoin, comme celle-là. Et pour réparer, bah, j'avais pas besoin, parce que ça fonctionnait. Enfin, j'ai pas compris le système des ampoules. Système des ampoules... Mais par contre, ça m'intrigue. Parce que du coup, là, je me sens bloqué. Parce que je me dis qu'Aurel a peut-être raison. Qu'il y a effectivement quelque chose à ouvrir avec cette coquine de clé. Hein, cette putain de clé Oméga. Hein, on peut l'appeler par son nom maintenant. Il est tard, les enfants sont couchés. Mais j'en suis pas convaincu, quoi. Et oui, il y a un passage, tu dois t'accroupir. Ok. Ouais, c'est ça, là. Voilà. Alors après quoi, c'est du pixel parfait. Maintenir, déplacer. Déplacer quoi? Qu'est-ce que j'ai déplacé? Qu'est-ce que j'ai en main? On le voit même pas. Là, il m'aurait refilé un briquet, ça aurait été magnifique. Ah, on voit un peu mieux. Vous devez rien voir. Ah, je vois rien, hein, je t'assure. Déplacer. Oh putain. Mon Dieu. C'est terrible là. Hein. Il me faut. Non mais il me faut un. Attendez. Oui, c'est une porte ça, c'est quoi? Le mec accroupi dans le noir à faire tourner en vide. Maintenir, prendre. Mais là j'ai. Je n'arrive pas à le saisir. Faut le pousser. Ah, je vois bien là, regarde, il y a de la lumière. Ah, mais c'est bon, interagir. Il n'y a pas assez d'espace pour passer. Les salauds, mais. Ils veulent me rendre dingue là. Donc il faut pousser. Faut que j'aille. C'est comme tout à l'heure à l'hôpital, quoi. Comment je peux faire? Ma femme dit de déplacer comme l'armoire. Oui. Oui, mais. Si vous voulez, manette en main, c'est pas aussi simple. Parce que déjà, je ne vois pas dans quel sens. À la limite, il faudrait que je me foute là. Je peux même pas me mettre là. Là, je peux pas aller plus. Là, vous voyez, je suis dans le coin, là. Vous voyez peut-être pas. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais foutre la luminosité, vous avez de comprendre. On va faire ça entre nous, ça sera notre petit secret. On va un peu baiser le jeu.
Ok? Voilà. Ça restera entre nous. Voilà. Là, vous voyez un petit peu mieux. Normalement. Vous voyez, bon, là, il n'y a pas assez d'espace pour passer. Il faut le prendre, pas le coulisser. Bah oui, non, mais j'essaye tout. Putain, d'accord. Et dans l'autre sens. Qu'est-ce que je suis con, mais j'ai eu un éclair de génie pendant 1 heure et là, vous savez, je redeviens complètement con. Alors, c'était donc ça? On m'a. Il n'y a pas assez d'espace pour passer. Bah, si, quand même, là. Ouais, je pousse encore. Et dis donc, il est drôlement. En perse, on dit titiche. Il est drôlement chochotte, là, hein? Il passe pas, là? Voilà. Alors, merci Aurel. Merci Aurel parce que ça, je ne l'avais jamais vu. Et en plus, j'ai plus de briquet. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'avais jamais vu. Du coup, bah, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce donc? Vous avez trouvé une étrange poignée. Ah, bah, le H. Allez, hop. Ah, mais que je suis con, j'avais l'appareil photo. Qu'est-ce que je suis. Je suis désolé. S'il y en a qui se désabonnent, je comprends. J'avais l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait un stropole. On remet la luminosité plus basse? Hein? On est quand même plus dans l'ambiance. On fait un stropole où je vous demande votre avis, puis en fait non. Voilà. On va faire le meilleur des mondes, j'ai mis au milieu. Ça a trop vite brillé, Icar. Baisse la lumino, c'est dégueulasse. Ah oui, non, non, mais c'est parce que je suis obligé de le mettre au maximum pour que ça fasse une boucle et que ça retourne en sombre. Si tu veux à la manette, il ne fait pas moins. Il fait plus, 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 et hop, on repart à zéro. Me demandez pas. Là où j'ai été idiot, enfin j'ai été idiot à plein de moments là, c'est que j'avais l'appareil photo, j'étais trop con. Et puis là déjà, F5 peut-être aussi, de sauvegarder, ça serait pas mal. Donc là maintenant, on se redirige grâce à Aurel. Aurel, il a dû déjà regarder. Il a dû déjà regarder des joueurs jouer. Ou alors il se souvient. Il nous a pas tout dit, Aurel. Quel est ton terrible secret, Aurel? Ah, voilà. Bah tant mieux. Dieu soit loué que tu aies regardé ce stream hier. Parce que là, je peux te dire qu'on était parti jusqu'à 2 h du mat. Grâce à toi. Et voilà, on a mis la poignée. Alors accrochez-vous à votre slip. Serrez l'élastique. Je vais ouvrir. Serrez bien l'élastique. Mieux que ça. J'en vois qu'on ne l'a pas bien serré. Pardon, oh, j'arrête. Ok, nous revoici, nous revoilà à l'hôpital Velpour. Sauf que maintenant, on a droit à l'inventaire. Chose que nous n'avions pas le droit avant. Bon, là, ça parle molécule. Ok. Ok. Bon, merci encore Aurel, hein, parce que là, franchement, c'est véritablement, on aurait encore perdu un temps fou. Hein. Est-ce que le jeu est trop sombre pour vous là encore? Parce que moi j'ai l'impression qu'il l'est. Hein. Pour moi le jeu est trop clair là. Hein, on va encore perdre quelques followers, mais on va le remettre un coup plus sombre. Hein. Je suis désolé. Parce que sinon ça on perd tout tout tout. On perd tout. Hein. Voilà. Là ça va être parfait.
Voilà. Voilà, je pense que pour vous c'est mieux et pour moi aussi. Là on est dans le visage. Ok, donc la porte est fermée. Ah, petite musique d'engagement à la Metal Gear. J'aime pas trop ce genre de musique, ça sent le Marie-Jo Pérec, hein. Là on peut ouvrir. Strictement rien. On va faire un... On va pas s'amuser à tout ouvrir quand même. Ah quoi, quoi, quoi? Il tousse, il y a toussite. Il y a toussite, il y a gaz, il y a quelque chose à faire. Faut se barrer. On va mourir là. Ça tousse. Faut prendre un... Voilà. Vous ne pouvez pas placer cet objet. Il faut que je me débarrasse de tout. Et péter la vitre. Non? Absolument pas. Donc je reprends mes merdes. Si je les retrouve. On va crever comme des... Oh, c'est quoi cet enfer encore? L'idée du... Oui, bah exit, oui, mais non. Y a pas. Alors quoi, il faut tout pousser maintenant? Non. Non, non, il n'y a aucune interaction possible. Non, non, faut qu'on sneak. Ce qui est curieux, c'est que on peut ramasser la chaise. Attendez, je retente. Il faut casser la vitre. Avec, enfin, c'est pas possible. Enfin, moi, j'aurais, si j'étais développeur, j'aurais fait ça, quoi. Bon, en même temps, ça a pas l'air de nous tuer, hein. Non, c'est ridicule, je vais pas me balader avec la chaise sans s'éteindre. Ah, mais putain, mais c'était juste une action. Et quoi? Là, il faut prendre la chaise. Bon, écoutez, je lâche ça là. Je lâche ça là. Je pense que la chaise, je peux la choper d'ici. Et voilà, bon, bon, c'est du jeu. C'est un peu old school, hein. Mais bon, j'avais trouvé l'idée. Ça nous a servi à rien. Allez. Oui, je veux casser ça. Ah putain, il faut encore. Ok, il faut casser la porte. Non, absolument pas. Il faut revenir à la porte d'entrée. Non, on peut pas. Qu'est-ce que je peux couper avec mon Oui, l'autre exit, mais je peux plus passer. Quoi, il faut revirer la chaise? Ah non, c'est bon. Interagir. Il veut pas. Il veut pas parce qu'il y a la chaise. Non, mais c'est fou. Non, mais regarde. Bon. C'est pas de ma faute, là. Ah. Il y a eu bug de chaise là, je suis désolé. Là c'était une séquence qui restera pas dans les annales d'Internet. J'en ai bien conscience. Là j'en ai bien conscience. J'ai un petit peu merdouillé là. Là du coup ça va aller très vite, hein. Là ça va aller très vite. T'aurais dû couper la fumée, mais je pense qu'on ne peut pas. Je pense qu'il faut casser la porte à la coup de hache. Alors, ou peut-être qu'il faut, avec la hache, faire autre chose. Mais vraisemblablement, on peut revenir. Donc, l'un dans l'autre, je me dis qu'il faut attaquer la porte à la Shining. Tu vois? Bon, ce qui est bien, c'est le taux d'arche. Bon, il m'a remis là. Allez. Donc, on prend la chaise. Une fois qu'on est monté. Mais vous êtes d'accord que dans tous les jeux modernes, là, on aurait lancé la chaise ou on aurait pu monter avec, quoi. Donc, bon. Je monte.
Je me débarrasse de mon portable. Enfin, de mon portable. N'importe quoi. Je prends la chaise. Je peux péter l'autre, tiens. Voilà, j'arrête de faire le con. On laisse la chaise là, évidemment. On laisse tout ça ici. On va aller chercher la petite hache. Ah bah, une fois qu'on sait, hein, c'est un peu plus rapide, forcément. Très jolie hache, d'ailleurs. Là, on peut remonter. Et voilà, oui, c'était la chaise qui m'empêchait. Enfin, moi, je veux bien être gentil, mais... Il y a quelques... Le final, il y a des moments un peu décevants. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais avec la chaise? Ah, déjà, on a retrouvé un briquet. Qu'est-ce que vous me conseillez, là? Coupe la fumée, hache, oui, d'accord, mais quoi? Ah, je peux attaquer le mur, là. Regardez, il y a eu quelque chose, là. C'est bon. Par contre, on n'a plus l'appareil photo, hein. J'ai quand même réussi. Ah merde, j'aurais dû... Non, non, je veux revenir, je veux prendre l'appareil photo. Il veut pas. Allez, hop, on se casse. Oui, c'est vrai. Mais quand on n'a pas de briquet... De toute façon, il va revenir dans notre inventaire, dans la maison. Point de souci. L'appareil photo est maintenant, voilà, placé dans l'inventaire. Et là, du coup... Putain, j'ai bien fait de prendre l'appareil... Mais si j'avais pas pris le briquet, là... Ça se passait comment? C'est... Hein? Ça se passait comment, là, si on n'avait pas l'appareil photo? Le briquet. Au petit bonheur la chance, là? À l'aveuglette? C'est comme ça que ça allait se passer? Bon. On a eu cette... lucidité, lueur d'esprit de prendre les médocs et de prendre ça. Bon, je vois de la lumière. Hein. Voilà. Et on retourne dans le garage. Alors d'accord, mais alors pourquoi? Enfin, je veux dire, on a fait tout ça pourquoi là? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a une hache, quoi. Même pas. C'est ça que... Le dernier chapitre me je suis quand même un peu circonspect, quoi. Là, on a fait ça pourquoi? Éviter de rester trop longtemps dans la lumière. Ok, ok. Donc on a déjà, on va rallumer, hein. Voilà. Et celle-là aussi. Ok, non, il veut pas. Il est où l'autre bouton? Bon, on va se mettre près de la lumière. Suis les pas au sol. Il y avait des pas au sol dans le garage. Tu vois, j'ai même pas fait attention. J'ai une télé immense, hein, devant moi. Je dis pas ça pour me la jouer ou quoi. Hein. C'est que vraiment j'ai une diagonale terrible et du coup je vois bien, mais je vois trop bien en fait. Je vois pas bien. Je suis complètement immergé, donc du coup certains détails m'échappent. Après, quand je revisionne pour voir le son et tout. Des fois j'ai un peu honte, je me dis putain, j'aurais pu le voir ça quand même. Là, genre les pas, c'est flagrant quoi maintenant pour moi. J'en excuse. Merci. C'est aussi pour ça que on stream, c'est pour qu'il y ait une interaction. On peut pas exceller dans tous les domaines, voilà. Voilà. Je vais éteindre le briquet pour pouvoir le maximiser. Ça s'arrête ici. Je crois qu'on peut... Ça, c'est pas que la lumière d'ici. Hein. De toute façon, il y a une autre lumière ici. Hein. Ok. Bon, les pas arrivaient par là. Bon, la trappe, maintenant, c'est quoi? C'est la musique de... Toum, toum, toum. Je suis musicien. Halloween. Halloween, John Carpenter, c'est les mêmes notes. Alors c'est pas le thème de Halloween, mais c'est l'autre musique quand Laurie
Elle est à la fenêtre, quand il regarde par la fenêtre dans le jardin, s'il n'y a pas Michael Myers, voilà. C'est ces notes-là. Tum, tum, tum. Hein, c'est ça, hein, Nick Taras. T'es d'accord, hein? Ça, c'est... Ok, donc qu'est-ce qu'on a ramassé là? J'ai même pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, je vous ai parlé de la musique. Et, putain, vous voyez, hein, j'ai... Mémoire de poisson rouge, j'étais focalisé sur sur John Carpenter. Musicien de quel instrument? Guitare. Et harmonica. Non, guitare, clavier, un peu de batterie. Quand il est là, mais on ne le voit pas, la menace fantôme, encore une bonne ref. Oui. Et qu'est-ce que j'ai ramassé? Dans le. J'ai ramassé quoi là, là où il y avait la trappe? J'ai aucun souvenir. Je suis complètement con, hein. Rien du tout, il me semble. Il y a une indication, quelque chose d'écrit? Non mais, c'est vrai en plus. Tu sais, toi, Tama, là, ce qui s'est passé, là? T'as ramassé une partie du visage. Ah, voilà. Je savais qu'il y avait eu un truc blanc, et puis... Et puis voilà. On va rallumer, hein, alors. Et c'est comme ça. Et le visage serait complété là. Oh, à mon avis. Dans tous les jeux vidéo, c'est pas 4, c'est pas 3 pièces, hein. Il en faut au moins 3-4. On va les voir. On va les voir. Et puis, de toute façon, on va pas y échapper. Il va bien falloir qu'on trouve où mettre les tableaux, hein. Là, on a fait les malins. Aurel nous a aidés. Mais on sait toujours pas où foutre les tableaux. On fait les malins, alors on essaye d'esquiver le problème. Vous savez, c'était un peu comme le dimanche soir quand on était. Vous saviez qu'il y avait les devoirs à faire pour le lundi matin. Vous repoussiez, mais le dimanche soir, hein, vous aviez une boule au ventre, vous aviez pas fait vos devoirs. Mais là, c'est pareil, on va pas y échapper. Il y a un moment donné, il va bien falloir qu'on la fasse, cette putain de. Non, mais voilà, j'en ai pas assez. Comment on appelait ça d'ailleurs? Vous savez, il fallait rendre un papelard de 4 pages à chaque fois pour en français là. Un DS? Je sais plus. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps que j'étais à l'école. Vous savez, les DS qu'on devait faire à la maison? Un DS, voilà. Un DNS. Devoir non surveillé, voilà. Le devoir non surveillé. Et jusqu'au dimanche soir, on faisait traîner ça jusqu'à 11h. Puis à un moment donné, on s'y mettait, puis on avait 8 sur 10. On n'avait rien foutu. Ah. Bref. Alors. Un DM. Alors ça dépend des époques. Il y avait le DM aussi. Ouais. Voilà. Alors on va pas y échapper au DM. Mais dis donc. Ah bah bravo. Éteindre la lumière. Alors ici, hein, vous avez remarqué, on essaye de faire des économies d'énergie toutes les 5 minutes. Hein. Il y a quelqu'un qui éteint les lumières. C'est la vieille, elle a pas envie de payer cher. Hein. Il sera... Voilà, bah si, on va allumer là. On va tout allumer. Là, c'est déjà allumé. Hein. Okay. Donc, on va pas y échapper à notre DNS. C'est que on a quand même ces putains de tableaux à mettre quelque part qui se complètent tous. Hein. On voit bien là qu'il y a quelque chose. Et si seulement la vieille était encore là. Oui, bah oui. Bah oui, parce qu'à la limite, j'aime bien parce que ça nous donne quelques indices. Mais là, on est vraiment. Franchement, si Aurèle m'avait pas dit pour la boîte, là, on pouvait tourner pendant 1000 ans. J'avais pas de briquet en plus. Aucun souvenir de cette. Maintenant, ce qu'on peut faire. Vu qu'on est con, c'est qu'on aille. Moi, je propose qu'on aille se tirer une petite balle pour avoir un indice. Puis en plus, c'est sympa. Moi, j'aime bien aller voir et puis que d'avoir le. Enfin, en même temps, ça nous donne vraiment la solution. Hein. Que de chercher. Tu sais que qui te regarde et s'enfuit quand il l'a remarqué. C'est frisson. Oui. Exactement. Moi, je suis d'avis. Parce que là, le coup des tableaux, vraiment, déjà avant que vous rejoigniez le stream, j'ai passé des fois des heures à essayer de comprendre où on peut foutre ces tableaux. Et
J'ai aucune idée là. Ah, j'ai pas envie de vous balader. J'ai pas envie de vous vendre du rêve alors que j'ai pas un échantillon sur moi, quoi. Je peux pas vous faire ça. Je peux pas vous faire le streamer qui va essayer de vous vendre du rêve. J'ai pas un échantillon de bonheur sur moi. J'ai rien là. Il a rien. C'est fini là. Ah, t'as une idée pour les tableaux, toi, Nyctaras? J'ai une idée des tableaux, mais je n'arriverai jamais à te guider là où je pense imaginer un truc. C'est justement ça qui m'intéresse. Bah non, mais dis-moi. En grosso merdo, c'est quoi? C'est au premier étage, au rez-de-chaussée ou dans la cave? Ce fameux couloir en construction en haut des escaliers. Un couloir en construction. Le mur en construction. Au premier, je monte. Allez. J'ai aucune idée, moi, de toute façon, là. Donc, je mets ma vie, mon destin entre vos mains. C'est une façon aussi pour moi de montrer que j'ai une confiance dans mes followers. J'ai l'impression de voir ça sur les tableaux. Toi, tu dis qu'il y a un mur en construction, toi. Il n'y a pas de mur en construction ici, Nictaras. Déjà, alors, déjà, on va allumer la petite loupiote. Là, on est dans la chambre d'ado. Bon, la chambre, l'ado, elle a pas de tableau, elle. Ça n'intéresse pas, ça. Plus tard, bien plus tard, elle aura un mauvais goût. Pour l'instant, elle a encore bon goût. Non, ça, c'est Maître Yoshka. Je voulais allumer la lumière, voilà. On n'en a pas eu beaucoup, hein, 4. C'est au premier niveau. Ouvre les yeux, marche lentement, tu verras. Ok. C'est au premier niveau, marche lentement. Tu verras. Alors, je monte pas au grenier, hein. On est bien d'accord. Merde, il faut que je fasse le tour, du coup. Alors, je vais essayer d'économiser quand même ma petite bougie. Ça allume quoi? Ah, ça éteint. Bon, maintenant qu'on a le briquet, on peut utiliser. Non, mais ici, au premier, tu sais, il y a que les chambres. Hein. Par contre, ça, c'est curieux qu'il y ait eu ça. Hein. Quelqu'un s'est pendu. Hein. Quelqu'un s'est pendu. Il n'y a pas de mur en construction ici, hein, Nyctaras. Il n'y en a jamais eu. Hein. Moi, je veux bien aller un petit peu dans la penderie pour te faire plaisir. Parce que j'ai compris que tu voulais qu'on aille dans la penderie, en définitive. Hein? Mais. Ah, bah là, carrément, ça marche pas. Là, ça y est, ils sont. C'est. Qu'est-ce qui est écrit? Non, c'est pour la porte. Là, complètement, la chambre fait dissidence. Ça fait sécession avec le monde. C'est que là, il n'y a pas de lumière, là. Là, ils veulent pas. C'est curieux, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait allumer une autre lampe ici. Pas du tout. Du niveau des chambres vers la salle de bain. Ok. J'attendais que. Il y a un tout petit lag entre le moment où. Pourtant, j'ai essayé de le réduire. Vers la salle de bain. Ah oui, le mur. Ce que tu appelles le mur en construction, je vois. Mais c'est le balcon. C'est le petit balconnet, là. Où avec le mec avec la béquille, on avait été obligé de sauter là. Tu parles de ça? Oui. Tu dis qu'il y a un mur en construction ici. C'est vrai que ça aurait été ici, ça aurait été parfait. Hein. Non, 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 mais pourquoi? Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Non, mais j'ai été mauvaise langue, le jeu nous redonne des objets. Hein. Il fait n'importe quoi avec, là, certes. Vous voyez, il est quand même de mauvaise. Ah voilà, il faut faire ça pour regarder. Là, je. Ce n'est pas ici. Bon, bah voilà, comme ça, c'est réglé. Ah bah, alors, on remercie tous Nyctaras pour nous avoir fait perdre 20 minutes de nos vies si, si précieuses. Non, j'ai vraiment cette sensation d'avoir lu. Alors là, il y a quelqu'un qui s'est amusé à casser toutes les clés, mais ça y était déjà avant. Qu'est-ce qu'on fait? On va se tirer une balle? Je suis la tête, tu es les jambes.
Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on inverse. On va aller se tirer une balle, hein. Allez. Comme ça, on termine le jeu ce soir. Et puis, peut-être dès demain, Silent Hill Enhanced Edition, quoi. Pas la version de PD, quoi. Pardon. Faut pas dire ça. La version améliorée, quoi. On va encore se faire ban de Twitch. On descend les escaliers et on se tire une balle. Moi, je pense que c'est le mieux, sinon on va se perdre en conjecture, on va fouiller tout, ça va ne servir à rien. Allez. Je vais me tirer une balle dans les jambes, voilà. En plus, quelque part, on a le droit, parce que bon, le jeu a prévu. Il savait qu'on allait un petit peu galérer de temps en temps. Et je crois qu'il m'en reste deux, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pas mal. On aura pas été... Mais là, véritablement, je donne ma langue au chat. Ah, mais j'en ai plus. Ah non, mais on peut peut-être quand même le faire. Allez, c'était pour de rire. Attends, ça va pas marcher, du coup. Il y a plus de balles. Le mur est de... Putain, il est là. Le mur est de ce côté, juste à gauche de l'entrée du suicide. J'irai voir. Je vois ce que tu veux dire. Alors du coup, je lâche. J'ai tiré. J'étais trop temps. Alors du coup, ça va nous montrer quelque chose qui va n'avoir strictement rien à voir. Une pomme. Un puits. Il n'y a plus de balles, mais ça nous a quand même donné un indice. Mais c'est un indice visuel. Enfin, c'est une mise en situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant, on est là? Oh bah c'est curieux. Quand même. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment se tirer une balle à un moment donné? Je suis dans le fond du puits, oui. C'est quand même curieux, d'habitude il me donne des indices et puis maintenant il me téléporte. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, on est bien d'accord, la pomme là, attendez, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. On peut pas la prendre, hein. Allez, petite pomme. Non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. On peut pas. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un trigger que je vais m'éloigner. C'est curieux, qu'est-ce qu'on fait là? C'est comme si j'avais abandonné? C'est quoi cette fin? Oh là là, c'est quoi cette fin d'injustice complète? Ah, j'ai jamais été aussi déçu. Sur une échelle de la dépression, de la lassitude, là je suis à plus 10. Oh mais c'est terrible. Ah là mais le jeu est d'une violence là. T'aurais dû le faire au chapitre 1. Ah là là, c'est quoi cette fin horrible? Non non mais on va reload. Remerciements spéciaux à tous les contributeurs. Et le stagiaire il est où? Ah bah on peut passer. Non non non, c'est pas possible. C'est une façon de dire voilà, t'essayes de tricher. C'est curieux, c'est la première fois que je passe les sous-titres comme ça. Merci de jouer à visage. Bah je t'en prie. Oui, il y a une vraie fin, c'est sûr. Là, on s'est fait... Et on reste là? Le jeu est pas fini. Enfin, quand je dis que le jeu est pas fini, c'est que le jeu est vraiment pas fini au premier degré. Qu'est-ce que je fais là, maintenant?
Attendez, peut-être que s'il y a autre chose, ça serait du génie. Oui, merci plutôt d'avoir joué. Ça serait du génie qu'en fait qui nous fasse croire que c'est la fin. Mais moi j'ai peur que c'est... ça serait du génie là, qu'il y ait les sous-titres et puis au final il y a quelque chose d'autre. Attendez, il y a quelque chose là-bas. Hein, regardez. Il y a quelque chose là. Franchement, s'il n'y a rien d'autre et qu'on est juste là, on doit reloader, c'est là, c'est l'enfer. Mais par contre, s'il y a quelque chose à faire, c'est du génie. C'est la pomme. Ah mon dieu. Ah mon dieu, mon dieu. Le tableau sur la pomme. Et en fait, on reste bloqué là. Bon, je reload la dernière recharge. Qu'est-ce que vous en pensez? Je reload, hein. Mais alors, du coup, on est puni, quoi. On est puni dans le puits. C'est joli. Allez, je reload. Charge est partie. Dernière sauvegarde automatique. J'espère que la dernière sauvegarde automatique, c'est pas dans le puits, hein. S'ils m'ont mis la dernière sauvegarde automatique dans le puits... Avez-vous vu que j'avais augmenté la taille du chat? Hein? Parce que je me suis dit que les gens qui étaient sur portable, qui avaient des petits yeux de ragondin, ils auront du mal à lire. Et donc je me suis dit, allez, on va penser à eux. Et on va mettre la typo un tout petit peu plus grande et puis moins grise. Je l'ai mise un tout petit peu moins grise, un peu moins sombre, mais pas blanche quand même pour pas que ça fasse mal aux yeux. Et voilà, c'est beau. Et voilà, donc nous retournons. Là où Nyctaras semble, hein, je dis bien semble, hein, parce que Nyctaras, il a souvent des bonnes idées, mais il a surtout des idées. Et allez, on ressort. Et alors, je peux pas revenir dans le chat, mais toi, tu m'as dit qu'une fois qu'on était là, voilà, je reste là. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu m'as écrit, Nyctaras? Je reviens dans le chat. Alors, c'est au premier, ouvre les grilles, pas du tout au niveau des chambres, vers la salle de bain. Non, mais alors là, je suis revenu beaucoup, beaucoup trop loin, là. Non, c'est pas la fin. Vas-y, redis-moi ce que... Ensuite, tu vas à gauche. Ok, donc je suis là, je vais à gauche. Et toi, tu dis que là... Bon, là, c'est la salle... Là, on sait que c'est les toilettes, hein, évidemment. On va pas se faire avoir. Alors, une fois que je suis là... Et tout de suite à droite, tu auras un couloir en construction, oui. Ah oui, le couloir, oui, évidemment le couloir en construction, excuse-moi. Et toi, tu dis que là... Ah mais tu sais que je suis venu des milliards de fois ici, hein. T'as peut-être raison, hein, mais... Et tout de suite à droite, tu auras un couloir en construction. Merde, mais en face, sort des chiottes. Ah oui, non mais voilà, en fait, on est d'accord, sauf qu'il y a un delay. Il y a un delay entre le moment où... Tu écris et le moment où je fais les choses. Là, nous y sommes, hein. Dans ce couloir en construction, hein. Ah, j'aime bien maintenant que tu parles au conditionnel, hein. Ça veut dire que tu prends conscience que t'as dit un petit peu de la connerie. Il me semblait que... Bon, en même temps, merci à toi quand même, parce qu'on n'a aucune idée. Non, non, c'est pas possible qu'on ait pas la bonne fin. On a fait les trois chapitres, on a fait Lucie, on a fait Dolores, on a fait Shere Khan. Absolument qu'on trouve. Non, je regarde. Quoi? Ah oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça? Et maintenant c'est comme ça. C'est quoi ce jeu de fou? Vous avez vu ce qui s'est passé là?
C'est comme un jeu très très particulier. On est d'accord. Allez Marie, j'opérec. J'attaque le mur là. Quand je range le briquet, on peut le reprendre quand même? Non, c'est bon. C'est... Comment veux-tu trouver qu'il fallait rester dans le couloir et ne pas bouger et que le script se lance? Oui, le mur... oui, le fameux mur détruit dans la vidéo. Alors, il faut que je pose le briquet pour pouvoir l'attaquer? Non, ça fera rien. Il fallait juste écouter Nyctaras. Alors qu'est-ce que tu... Nyctaras, je te donne ma couronne. Il faut 20 siècles pour être compris. Mais je le suis. Il ne sera plus tout à toi. Vas-y. Vas-y Marie-Jo. Il y a un petit délai ce soir hein, entre le chat. Mais vous êtes d'accord que là c'est quand même très 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 particulier. Hein, quoi. D'un coup, il y a eu un script qui s'est lancé. Il fallait donc se balader. Enfin, les développeurs ont pris en compte le fait qu'on allait se balader, se perdre. Non, on peut rien faire. On peut rien faire. Là, je suis quand même en train de reculer là. Non, non. Là, je peux rien faire. De toute façon, qu'est-ce que je peux pas allumer pour le moment. Il faut que j'attaque le mur. C'est encore. Alors, c'est peut-être pas le bon mur. Oui, bah oui, tu peux être fier de toi, oui. Mais alors, je sais pas comment t'as eu ce coup de génie, parce que ce trigger-là, bon, si j'avais tourné pendant une demi-heure dans la maison, j'aurais peut-être fini par le déclencher, tu vois. Mais, oui, alors, on va arrêter de porter le briquet, j'ai compris. Non, non, mais il veut pas le... C'est quand même marqué exit. Le jeu est quand même... Au début ils disent que le jeu est difficile, c'est que le jeu est fastidieux et il est pas raisonnable le jeu, hein, sur beaucoup de choses. C'est vraiment... moi je suis très patient donc ça va. Faut peut-être remettre une ampoule ici. Voilà, déjà. Mais j'ai pas d'ampoule. Putain, on en avait avant, j'ai pas d'ampoule. C'est pour ça que je regarde ces jeux. Je n'ai pas la patience. Oui, oui, je comprends. Il y a des jeux que je regarde et que je pourrais pas jouer. Pareil, je regarde beaucoup Twitch. J'ai beaucoup d'admiration pour les speedrunners parce que je serais incapable d'avoir cette patience de reset. Je suis en admiration. Mais tout ce qui est jeu d'énigmes, trucs comme ça, non, non, non. J'aime bien. Pas de problème. Alors, à moins qu'on dévisse celle-là, et puis qu'on la remette sur l'autre. Voilà. C'est pas malin, Romain. Et on fait pareil. Ah bah oui, non mais là... Ça va commencer à devenir compliqué. Attendez. Ah mais on en a deux. On prend l'autre. Ça va être une espèce de chaîne. Ah ok. Le gibbon. C'est pas la première fois que t'écris ça, le gibbon. Hein. Je sais ce que c'est un gibbon, hein, mais pourquoi? Pourquoi tu... C'est quoi cette référence? Alors du coup, mais attendez... Ah, il faut peut-être suivre les... Attendez, qu'on aille pas n'importe où et n'importe comment. Bon, moi, je serais tenté d'aller suivre les fils rouges, là. Merde. Qu'est-ce que... Ah ok, ça peut être comme ça. Allez, gibbon. On dirait un singe sur sa corde. Ah oui. D'accord. Bon, il y a un moment donné, on va quand même se servir du maillet. Hein, pour sortir de cet enfer.
Mais là, on tient le bon bout, là. Hein. Regardez. Bon. Là, on peut l'enlever, celle-là? Non, celle-ci, elle ne veut pas. Non, mais c'est pas là. Hein. On est d'accord. J'essaye de bien jouer, là. On est d'accord que là... me colle au mur, il n'y a pas d'interaction possible, ça veut dire qu'on n'a pas pris... Oula. Ouais, non, non. Oula. Je prends un médoc. Non mais c'est... La bonne nouvelle, c'est que on sait déjà qu'il faut prendre les ampoules, ça va aller vite. La bonne nouvelle, c'est que ça va aller vite là. Ben moi, je l'aime bien aussi, lui. Au moins, il ressemble à quelque chose. Croque-mitaine, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. J'ai oublié. Putain, on a perdu 2 followers. Je voulais dire le mot croque-mitaine, ça leur est plus. Je suis sûr qu'à l'oreille, ça aurait sonné joliment, ils seraient restés. Et puis j'ai bafouillé, j'ai mis du temps à trouver le mot, et puis j'ai vu, ils sont partis. Tiens, pas grand chose. Ça marche. Bon, alors attendez, là, je suis en train de dire ça, mais attendez, je me remets sous la lumière. Alors, je prends cette ampoule là. Ah, vos mains sont pleines. Je préfère lâcher le briquet. Hein? On prend la petite bougie. Non, parce qu'on va en avoir besoin du... Attendez. Elle est où l'autre? Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On va à gauche maintenant? On a été où? On a été par là. Hein. Donc maintenant, on va à gauche. Regarde quand même le chat. Go. Ouais. Je le sens bien aussi. Je vais essayer de jouer plus souplement. Mais voilà. Là, il y a un mur. Là, ça nous parle. Je garde ça. Mais j'ai envie de reprendre le briquet. Putain, ça fait chier quand même. On peut pas. Bon, j'essaye de le péter quand même. Non, c'est pareil. Il n'y a pas de... Ah ben là, il n'y a même pas de bruit. Là, le stagiaire était parti aux toilettes. Quand il est revenu, il a oublié de mettre le son. Quand il est revenu, il a fait... C'est bon, là, j'ai tout fait, là, sur ce mur. Et puis, hop, il y a eu un coup de fil, et puis il a oublié de mettre le bruit. Et puis là aussi. Là, il a pas oublié. Ah, si, on peut. Eh oui! Alors, c'est peut-être pour nous indiquer que là où on peut frapper, là on peut pas. Bon, j'arrête de taper. Non, mais j'ai envie d'aller récupérer le. Maintenant que c'est cassé. Non, quel con. Elle est où l'autre ampoule? On peut plus, il n'y a plus qu'une ampoule. Je veux récupérer mon briquet. On a plus de briquet. Oh, puis il est où? Il est loin? Non? On peut péter ça aussi maintenant? Putain, le v'là, je me barre. Oh merde, trop tard. Quel con! Mais c'est pas ça, c'est que le briquet, on en a besoin souvent. De toute façon, voilà, c'est en 2-2 qu'on le finit là. C'est juste à gauche. Il faut casser le mur. Mais il faut que je vais balancer une bougie et il faut que je garde le briquet. On en a besoin d'un briquet. Les bougies, on s'en fout. Il y a un briquet dans la chambre du gosse, c'est certain. C'est bien possible. Non, mais on va. Toutes mes confuses. Mais véritablement, comme je sais que dans la maison, il n'y a plus de briquet, il nous refile que des bougies, bon bah j'ai voulu récupérer le briquet, voilà. Comme un idiot, quoi. Bon, c'est pas la première fois que je vous déçois.
Certainement pas la dernière non plus. Donc on prend pas celle-là. Elle est où l'autre bougie? Voilà, on prend la bougie là. Mais vous avez vu le mur? Le mur était fendillé hein, après. Hein. Vos mains sont pleines. Alors voilà, je vais dans l'inventaire. Je prends une bougie, voilà, et je lâche une bougie. Vous avez vu ça? Moi je suis malin. Je parais pas comme ça, mais. Voilà. Et maintenant que je me trompe pas. Voilà, à gauche. C'est là. J'arrête de me retourner comme un idiot. On va directement au mur. Et on a gardé le briquet. Voilà, et là on attaque le mur. Voilà, attends, prends ton temps. Voilà. Et voilà. Et voilà, bien sûr. Allez. On reprend l'ampoule. Et on monte. Quoi? On peut pas monter? Putain, j'ai eu peur. Je suis tout seul dans l'appartement là, j'ai eu peur. Peut-être qu'il faut péter aussi le mur de droite. Oui, j'en ai bien peur. Je fais une save. Mais je crois que les saves ne sont jamais prises en compte dans ce jeu. Hein. Je vais prendre un médoc. J'ai pas envie de mourir ici. Hein. Je le dis tout de suite. J'ai pas envie de recommencer 1000 fois. On va rester sous ça. On va reprendre l'ampoule. En fait, il y a peut-être plusieurs murs à péter. Attends. On est bien d'accord, je ne peux pas remonter. Hein. Ouais, et c'est abusé quand même. Le mur, il fait 1m5, 1m60 là. Il peut quand même monter là. Qu'est-ce qu'il est feignant. Putain, je suis en train de me niquer ma santé mentale. Enlève tes objets et tu as besoin de tes deux mains. Bah, j'ai besoin juste de remettre l'ampoule pour le moment. Non, puis au niveau du. Au niveau du. De changer et prendre vite fait le médoc, je suis bon là maintenant. C'est un petit labyrinthe. Ce qui est terrible, c'est qu'ils nous disent. Enfin. Là, on est bien, on est bien, on est bien. C'est là où tout va se décider. Tout à l'heure, on a continué tout droit. Hein. Moi, je dis que c'est à droite maintenant. Une fois sur deux, voilà. J'ai fait assez de jeux vidéo dans ma vie pour savoir que c'est une fois sur deux. Qu'est-ce que tu m'as marqué? Comme si tu devais t'aider de tes deux mains pour te soulever. Ah, tu crois? Alors attends. On est juste au bout du couloir, je regarde vite fait. Mais alors si c'est ça, c'est vraiment chiant. Hein. Parce qu'il n'y avait aucune indication. Attendez, il y a un mur encore ici. On peut le péter aussi. Ah, y a de l'énigme, il y a du. Attendez, pour ma santé mentale, je reviens là. J'ai envie de reprendre un médoc, hein, je suis désolé. Hein. J'ai pas envie de tout refaire. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que m'indique. Quoi? Qu'est-ce que. Quoi? Là, y a de l'heure. 3h33. Là, faut le casser, ça. Ah, j'ai une caisse. C'est la caisse qui va me permettre de monter. De monter les 1m50. Alors, cet inventaire me rendra fou, hein. Oh la vache. Je vous assure, l'inventaire, même après 10 heures de jeu, c'est une. C'est spécial. Hein. On a bien une caisse. Putain, quelqu'un m'appelle. Refusé. J'espère que c'était pas la police. C'est un numéro privé. Parce que j'ai travaillé dans la police. Et
Quand il t'appelle, c'est juste, c'est toujours privé. C'est là. C'est toujours masqué. Je devrais peut-être décrocher parce que ma femme est quand même à l'hôpital. Il y a un mur encore aussi. Bien vu, ouais. C'est un peu débile ce truc pour le coup. Et c'est peut-être ta femme, la mère de ton gosse, tu te souviens, oui. Non mais ma femme a un portable. Putain, c'est chaud ça. Si ça ra... Non, non, mais ça peut être une erreur ou j'aurais reçu un message. Attendez, je regarde quand même, histoire de pas être un enfoiré. Non, j'ai que des félicitations, j'ai pas de... Alors là, y a des types, hein. Voilà, mon Dieu. Non, mais ça, c'est juste pour nous faire peur. Bon, ok. Je me reprends à Médoc. Il faut retourner là où on était, voilà, tout simplement. Et prendre la caisse. C'est un peu débile ce truc pour le coup. Ah, ça, ah oui, je relis la même chose. Donc, on se reprend. Bah, rien du tout. Ah, c'est fini, les médocs. Bon. Je reprends l'ampoule. On est d'accord qu'on peut rien faire d'autre hein, ici. Hein. Allez, par acquis de conscience, je check un dernier coup, mais. Je peux rien faire là, je suis juste en train de perdre ma santé mentale. Non, non, faut qu'on se glisse. C'était par là. Hein. Non, on peut le casser aussi celui-ci. Allez, j'y vais vite fait. J'ai pas envie de tout refaire, hein, je vous le dis tout de suite. Ça se casse pas. Oh putain, je vais crever, bordel de merde. Non, c'est bon. Ça le casse ou pas? Qu'est-ce qu'on entend derrière? J'ai pas envie de... J'ai même plus envie de me retourner. Oh putain, ça fait chier. Pas vous mentir. J'écoute juste le répondeur pendant qu'il est en train de me tuer. Je charge. Ah, c'est, je suis vraiment désolé. Hein, c'est quand même clavier. Non. J'écoute mes messages en même temps. Non, mais j'ai rien. Excusez-moi, hein. Je suis complètement confus. J'ai pas voulu. Mais je trouve ça curieux qu'on m'appelle quand même à cette heure-là. Bon, bah c'était un piège, il fallait juste le reprendre. Mais est-ce qu'on a la caisse? Putain, mais non, on l'a pas. Oh là 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 là. Et là, le jeu, hein, sur certains passages, est quand même très. C'est pas fastidieux, c'est injuste, quoi. Voilà, c'est. C'est injuste. Donc, du coup, je sais même plus. C'est par là, hein. Faut qu'on aille chercher la caisse, de toute façon. Bon, ça va, c'est pas très long. Mais ah, l'idée de la caisse c'était ça, mais comme le mur, t'as vu, le mur avait changé. Donc là c'est à gauche. Ah, je reprends une autre ampoule, hein, sinon je vais encore perdre de la santé mentale, il va se pointer, ça va me...
intrigue là qu'on m'a appelé. Hein. Oh putain, je me suis planté, c'est celui où on n'a pas besoin d'aller. Ah putain. Ah mon dieu. Là ça m'a... C'était quoi déjà ici? Non, il y avait rien. Hein. On est d'accord. Je sais plus. Faut qu'on retrouve la caisse. De toute façon, faut qu'on retrouve la caisse et faut qu'on retrouve le mur. On va bien finir par tomber sur l'un des deux. Par élimination. C'est curieux qu'on m'ait appelé en message privé. Il n'y a que la police qui m'appelle en message privé. Moi, je travaille plus pour eux. Bon, surtout à 23h. Non, c'est une erreur. Ok, on a... c'est bon, on a trouvé la caisse. Ah bah maintenant on peut la prendre comme ça. Vous avez vu, le jeu est très particulier. Donc on va virer une bougie. On va... Oh putain. Oh mon dieu. On prend une bougie. On lâche une bougie. On prend la caisse. Et on met la caisse là. Ah bah putain. Ok. Là, on se prend un médoc. Ah, c'est tendu, hein. Mais pas parce que c'est difficile. C'est tendu parce que le jeu est au niveau des, du gameplay. De toute façon, que ça soit manette ou clavier, j'ai lu dans les tests que c'était un peu moyenâgeux, hein. Je vous assure, c'est... Alors, attendez. Je ne sais plus. C'est par là, du coup. Non. Bah, c'est pas possible. Ton idée de caisse est la bonne. S'il faut que tu prennes la caisse dans la pièce du miroir. Il y a une caisse dans la pièce du miroir? Non, il n'y a rien du tout. Non, il y a juste le trigger pour que l'autre vienne me tuer. Oh merde, ça a déclenché le trigger. Couloir de la porte exit est à droite. Oui, mais à droite en fonction de où tu te trouves. Tu vois. Si t'es en face de moi, ta droite est ma gauche. Tu comprends? C'est... J'ai du mal. Là, quand vous me dites à droite, vu que je bouge, y a pas de... j'ai pas de repère en fait. Il faudrait dire nord, sud, est, mais on sait pas où est le nord, on sait pas où est le sud. Par rapport à exit, alors peut-être tu me dis ça. Ah oui, couloir de la porte, exit et à droite. Là, je vous mens pas. C'est ces genres de petits trucs là dans le jeu. En plus, c'est tout con. On aurait déjà fini. Hein. Et puis là, voilà, il me dit que mes mains sont pleines. Ah, pop. Je me débarrasse tout de suite d'une bougie parce que ça va me gonfler. Et il veut pas que je me débarrasse de la bougie si j'ai pas fait ça. C'est quand même fou. À mort. Là c'est quoi? C'est à gauche? Oui, c'est à gauche qu'il y a le mur. Allez, là c'est la bonne. On arrête de faire le idiot. Là c'est bon. Là c'est bon. La longère là. C'était pour rigoler avant. C'était pour du beurre. C'était pour voir si vous étiez assez patient. Ouais, t'as raison. Alors là, attends, j'essaye quand même ce que tu m'as dit. Non, on peut pas monter, il faut la caisse. Ok, donc. C'est donc bien ça. Hein. Ok. Ah mon dieu. Et puis le fait qu'on puisse pas prendre l'ampoule. Alors du coup... Je sais plus. Là, je sais plus. C'est tout droit. Hein.
N'hésite pas à mettre toutes les ampoules pour éviter le croque-monsieur. Oui. Non, non, t'inquiète pas, je compte pas du tout refaire tout là. Je vais suivre ton conseil et bien mettre les ampoules. Et puis si je vois que mon cerveau chauffe un peu, je me prends un petit Xanax et ça devrait bien se passer. Et là par exemple, je peux pas taper. Ah, parce que j'étais pas à deux mains. Normalement, il se met à deux mains automatiquement. Mais c'est quoi cette pièce? C'est même pas la pièce où. Non, mais. Vous avez vu ce délire? C'est plus les mêmes pièces? Non, ou c'est moi qui délire? On n'était jamais allé ici, ok. Ok. À la prochaine fois où c'est rouge. Non, alors là, c'est une très mauvaise idée. Elle ou l'autre? Ah, elle est là. Donc là, c'est à droite, hein. Bah oui, de toute façon. Mais non, oui, je sais plus. C'est par là, hein. Toute façon, on n'a pas le choix. Alors, l'idée est pas mal, mais. Ah, je peux me retourner d'un coup, c'est vrai. Et là, ça. Voilà, elle donne le tournis. Là, c'est à droite, hein. Oh là là, je. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y arrive, on y arrive. Ah, my god! Alors, évidemment, là, il me fait ça. Par contre, je me fais pas baiser. Je fais ça, je la mets là. Et je me prends un médoc. Y a besoin ou pas, là, de prendre un médoc? Vous savez quoi, j'en prends un. Oh, j'ai envie de l'économiser, j'ai envie d'être fou. Pour plus tard. Je vais le regretter, hein. De toute façon, normalement, on pourrait même courir là, mais bon, je vais pas le faire, hein. Normalement, là, on la voit, la pièce. C'était où? Attendez, je reprends l'ampoule. Suis exit. Ah non, mais je vais pas là. Hein. Si je vais là, il arrive. C'est par là. Suis exit et on suit à droite. Oui, bah donc c'est là. Attendez, j'attends un peu. Allume le couloir jusqu'à exit. Bah voilà. Là, on est bien d'accord que c'est ici. Non, parce qu'il y a un décalage entre le chat et le. On est d'accord? Je ne pense pas que ça soit ici. Il y a un mur là. Bah, vous voulez qu'on aille où? Du coup, vous voulez qu'on aille là? Va vers exit, mais j'y suis à exit. Mais à chaque fois que j'y vais, il y a le type qui arrive. Et je crois qu'il y a un couloir à ta droite lorsque tu seras en face collé sur la porte. Et je crois qu'il y a un couloir à ta droite lorsque tu seras en face collé sur la porte. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Il y a un mur. Va vers le mur exit. Oh mon Dieu. Ok.
Alors j'allume, je fais ça bien. Tu veux dire que je te fais confiance parce que là j'ai perdu toute confiance en moi. Ah oui, d'accord, putain, il y a encore un embranchement, putain, je fatigue, je fatigue. Oui, c'est là, oh là 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 là, je suis. Toutes mes excuses, toutes mes excuses. J'ai complètement. Je croyais que qu'il y avait plus de tournant après. Je comprenais plus où j'étais. Ok. Et bah, vous savez quoi? On va prendre quand même la petite ampoule là. On se prépare. Alors, vous êtes prêts? Ça nécessite deux mains. Et ben, on va lâcher quoi? On va lâcher l'ampoule, hein. On s'en fout de l'ampoule. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, c'est bon. Ah mon Dieu, mais c'est pour ça que le jeu dure si longtemps. C'est que le gameplay est infernal. Infernal. C'est bon, c'est bon. On peut pas allumer. Je peux pas y aller. From Johnny to you. La dernière fois, c'était une clé quand c'était marqué ça. Oh, c'est un pied de biche. Enfin, enfin, vous avez compris. Oh mon Dieu. Allez. Bon, encore que j'aille dans l'inventaire. Oh mon Dieu, je vous jure que je le fais pas exprès hein, pour l'inventaire. Je peux pas le prendre. Et je suis en train de perdre toute mon. Je ne peux pas prendre le. F5, ouais. Je ne peux pas prendre le. Oh là, oh là, attendez, je me prends un médoc. Mais attendez, mais je pourrais mettre une bougie là. Qu'est-ce que je m'emmerde à chaque fois. Regardez. Hop, on la pose là. Très bien. Bon. Ok. Hop, on prend le briquet. À un moment donné, il faudrait peut-être se servir. On peut pas allumer ici, putain. Ah oh, putain, je lâche le truc. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, on a une bougie. Très bien. On peut pas le prendre, ça. Je voudrais prendre le. Je vous assure que l'inventaire, je le fais pas exprès. Hein. Pourquoi il veut pas? La clé de la boîte à thé va vers la fenêtre de la chambre. La clé de la boîte à thé, la fenêtre de la chambre. Je vois pas, mec. Là, En plus, le jeu ne veut pas que je prenne que j'allume mon briquet. J'ai l'impression que qu'il faut que je. From Johnny to you, c'est quoi ce délire? Va vers la fenêtre de la chambre. Ah, tu ne peux pas, je pensais. La dernière fois que j'ai eu ce message From Johnny to you, c'était une clé. Il y avait une clé qui était accrochée. Mais là, normalement, on devrait pouvoir. Enfin. Putain, je suis en train de mourir. Ah, on peut monter sur le lit? Oui, en semi-bug. Attends, je vais voir un truc. On peut redescendre? Putain, oui, on peut redescendre. Mon Dieu, ça veut dire que c'est pas terminé. Normalement, on doit pouvoir le prendre, le piolet là.
Vous trouvez pas ça bizarre qu'il y ait ça ici, qu'on puisse pas le prendre? Oui, c'est toutes ces incohérences là sur la fin du jeu qui me fait un peu le maudire. C'est ça, oui, je me souviens. La clé de la boîte à thé. Il n'y a pas un placard vers le fond, là où c'est très sombre. Il y en a un. J'ai essayé d'ouvrir. Non, puis là, on est en train de devenir fou. Attendez. Ce qui est sûr, c'est que on était obligé de monter avec la caisse. On va faire par élimination. On était obligé de venir ici. Hein, on serait pas fait chier. La caisse sert à ça. Par contre, c'est marqué From Johnny to You. Il y a un piolet. Mais on ne peut pas le prendre. Attends, il y avait quelque chose là. Ah oui, c'est la porte que je peux ouvrir un peu plus. Voilà. Mais alors, ça nous a servi à quoi de venir ici? Bon, allez, je voudrais rester jusqu'à la fin, mais je me lève de bonne heure, bonne fin. À bientôt. Merci Aurel, merci à toi. Et puis, bonne nuit. Et merci pour le follow. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. N'hésite pas. La VOD sera dispo sur Twitch et sur YouTube, si des fois t'es curieux de savoir comment on a réussi à se démerder, à se démener. Je te souhaite une bonne nuit. Bon, du coup, je crois qu'il faut qu'on qu'est-ce qui est écrit là? Eh ben, hein? Maintenir, réparer? Pas besoin. Et à la limite, on peut se déplacer comme ça, hein? F5. Ouais, j'ai essayé de regarder les affiches. On a tout fait là. C'est pas plus con de se balader avec une bougie, hein. Oh, mais non, mais c'est dégueulasse. Non, mais. Oh mon dieu! Mon dieu, ce jeu! Et puis surtout les checkpoints, et puis surtout les sauvegardes qui ne sont pas prises en compte, quoi. Non, mais ça fait 2h20, normalement c'était le dernier segment, je pensais qu'il restait une demi-heure. Oh mon dieu! Là ça devient un peu un calvaire, là, là. Mon dieu, mon dieu, mais en plus j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir pourquoi il est fou, j'ai envie de savoir la maison, j'ai envie de savoir. Et là, ce truc d'ampoule que tu dévisses et que tu revisses, lui qui se pointe en 2 secondes 5, en plus ils me remettent quoi? Ils me remettent au début? C'est des enfoirés, il n'y a pas d'autre mot quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas humain. Bon, j'essaye de casser le mur là. En plus, il y a forcément Nick Taras, t'es d'accord avec moi? Il y a forcément quelque chose à faire avec ce mur vu qu'il change d'aspect. Sa texture change. Il est comme ça, après il est déstructuré. Enfin, les briques sont rentrent vers nous. Non, là, ils ont cru avoir des bonnes idées. Mais l'idée des ampoules, pourquoi pas? Mais en plus, tout se ressemble. Tu vois, à la limite, il y aura un. Visuellement, il y aurait. Non, puis là, vos mains sont pleines, c'est insupportable. Voilà. Je te le dis, c'est insupportable. Vos mains sont pleines. Allez, on va casser le mur là, maintenant. Mais bon, maintenant, je connais, alors bon, ça va aller un peu plus vite. Et là, le coup de. En fait, ce qui est énervant, ce sont les incohérences. Le piolet, pourquoi on peut pas le prendre? Depuis le début du jeu, on peut prendre tout. Et puis là, on peut pas le prendre. Des fois, la béquille au début du jeu, on pouvait la prendre, mais. Ok.
Donc là, on a compris que c'était à droite. Non, mais à la limite, s'il mettait un petit checkpoint, bon, allez, on pardonnerait si tu veux. Mais là, de devoir tout refaire à chaque fois et que le mec se pointe en 2 secondes 5, bon, t'as plus l'impression que c'est pour allonger la durée de vie du jeu, quoi. Ah, puis là, je crois que ça sert à rien de venir ici. Imagine la zone 1, 2, 3, 4. J'ai pas compris. Exit 1, 2, 3, 4. Merde, j'ai voulu faire un plan. Il y a sûrement une nouvelle pièce à débloquer. Là, tu dérives dans la pièce de la radio. Ouais, t'as raison. En le faisant, je me le suis dit. Puis je me suis dit, bon, bah au moins, comme ça, on la verra. Et puis on se fera plus avoir. Il y a des moments, j'arrive à me retourner d'un coup. On a l'impression que je maîtrise. C'est qu'une impression. Non, mais c'est la y a une forme de lassitude aussi. Hein. Surtout que c'est pas passionnant. J'ai beaucoup aimé Lucie. Là, y a juste un type qui se pointe un peu en glucose. Et bah voilà quoi. Il te tue. Bon. Donc là. J'allume tout, hein. J'ai pas envie de me refaire avoir. Oui, je pense que le mur exit va être défonçable à la toute fin. Bon, ça n'a servi à rien, ça. Mais tu vois, c'est pareil, c'est comme tout à l'heure quand on était en face du miroir. Y a eu, ben, fallait attendre le trigger. De toute façon, je vais dans toutes les directions hein, maintenant. Je casse tout. En fait, j'essaye de comprendre. Ah, peut-être qu'on peut monter là, avec la caisse. En train de me dire. Là, d'un coup. Ici, peut-être. Peut-être que si tu arrives à casser toutes les pièces. Oui, voilà. Excuse-moi, je suis en train de relire ce que tu m'as déjà écrit. Bon, là. Voilà, c'est là où il y a eu le trigger. Bon, bref. Je suis encore planté, évidemment. J'ai fait un petit peu le. J'ai fait un petit peu. Allez, j'ai fait un petit peu le foufou. J'ai mis deux ampoules un peu éloignées l'une de l'autre. Oh, mais non, mais tu vois, c'est dégueu ça. Voilà, non, mais non, mais non, mais non. Ah mon dieu. Ah, il s'est barré? Non, mais attends, on a eu un bol de fou là. Il se barre quand on va dans les pièces? Écoutez, je demande pas mon reste. Hein. Je demande pas mon reste. On va faire comme si on n'avait rien vu. Pourquoi il a disparu là? Parce que j'ai été. Oui, le mur se fissure au fur et à mesure que je casse les murs. C'est là le coup pour faire le fou. Bon, reste. Ouais, je reste à une ampoule, à une ampoule. J'ai mal aux fesses sur ce putain de siège. Pourtant, il est très bien. Je sais pas pourquoi il me fait mal aux fesses. Allez. Allez, on y est bientôt. Donc du coup, faut repartir par là. Non, pas par là. Du coup, je sais plus. Non, faut aller par là. C'est ça, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah non, 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 non. Que je refasse pas la même erreur que tout à l'heure. On n'est pas près du mur, là. Il y a encore un embranchement. J'allais refaire l'erreur de tout à l'heure. Donc c'est sur la droite. Non, on n'a pas eu la caisse, donc il faut aller où la caisse?
Oh, je deviens fou là. Reste à une ampoule. Ah ouais, reste à une ampoule. Pas une ampoule. Non, non, là il va se pointer. Voilà. Bon, si j'étais un con, là c'est le rage quit. Ah là ça me gonfle. Pas vous mentir. Pas vous mentir, là ça me gonfle. Et tout à l'heure il disparaît, là il revient. Bon. Moi j'aime bien les jeux quand il y a quand même une forme de cohérence dans ce qui se passe, quoi. Là ça m'énerve. Ouais, voilà, j'arrête. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, j'aurais voulu le terminer ce soir, que ça aurait été sympathique, et puis là, il y a trop d'aléatoires. Je sais pas, c'est énervant. Oui, voilà. J'ai pas envie non plus de passer ma première soirée de papa à me prendre la tête. Non, ce que je vais faire, c'est que je... Oui, on va arrêter là, et tu verras que demain, ça va être fait en 2 secondes 5. Il y a la fatigue aussi. Il y a la fatigue. J'ai passé la journée à l'hôpital, ma femme a accouché, le coup des ampoules là m'agace. J'essaye... Non mais j'essaye même pas. L'idée... Ok. En tout cas... Non mais c'était bon, c'était sympathique d'être avec vous, mais c'est vrai que là c'est vrai que le jeu est un peu fastidieux là. Hein. J'ai compris l'idée mais... Ça m'agace énormément de rentrer dans la pièce, de tout faire bien, et puis qu'on puisse pas prendre le piolet, quoi. Enfin, tu vois. Alors, en fait, faut juste découvrir les salles. En fait, c'est ça, quoi. Faut uniquement découvrir les salles. Et après, d'aller péter le mur d'exit. Ok, bon. Allez, je pense qu'on va... là, je vais pouvoir faire de bonnes coupes, hein, dans celle-là. Hein. On va pouvoir faire de bonnes coupes. Oui, je suis patient. Non, non, je suis patient, mais à la limite, je pourrais même continuer, là. Mais je préfère le faire quand je suis... Vous voyez, tout le début de la partie, j'avais été de très bonne humeur. Et puis là, petit à petit, bon, là, je suis en train de me forcer. Là, ça me gonfle. Je serais tout seul, j'aurais dit des gros mots, là. Là, j'aurais pété la table en deux, là. Ça me gonfle, putain, c'est... Ah, c'est chiant, hein. Je le déteste, lui, le petit bonhomme, là, avec son... Il ressemble à rien, là. Il me fait penser à quelqu'un, je sais plus dans quoi, là. Je déteste, ça m'agace. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est gentil d'être venu en tout cas. Ça m'a fait plaisir. On a passé un peu de temps ensemble. Demain, on le termine, c'est sûr. Et moi, pendant ce temps-là, là, tout à l'heure, je vais. Parce que je vais pas me coucher tout de suite. Je vais télécharger la version de Silent Hill 2, qui est formidable. Hein. C'est un formidable jeu. Et on va se le faire en version Enhance. Avec 16/9e, HD. Ils ont modifié certains sons pour que ça soit plus d'actualité. Les voix ont été améliorées, les panoramas, ils ont changé les JPEG même de fond. Enfin, ils ont fait un boulot de fou. Il y a des vidéos sur YouTube si ça vous intéresse. Mais je vous incite pas à les regarder parce que sinon ça va vous spoiler un peu. Mais bon, une très très belle version qui nous attend de Silent Hill 2. Ça va être formidable. Hein. Voilà. Donc je vous laisse sur mon excellent générique de fin. Bah en plus je suis content, un nouveau follower, un nouveau membre d'élite parmi nous, qui nous a bien aidé hein, d'ailleurs, hein. Mon dieu, là le coup de la boîte avec l'Oméga, j'aurais pas trouvé. Hein. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée, merci à Tama, merci Nick Taras, et puis je vous dis à demain, on peut commencer même à 10h, 10h30, hein. Moi je trouve ça pas mal que ce soit plus tôt, voilà. Allez, je vous embrasse fort et puis je vous laisse sur ma musique, mon excellent générique, qui je sais que vous écoutez en boucle. Allez, bisous. Tchuss. We'll be right back.
born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that is what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that is what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows.